Je vais procéder pour cette conférence où j'espère qu'elle sera qu'une demi-conférence et après il y aura un atelier de mise en pratique. Je préfère beaucoup plus la mise en pratique que les grandes théories pompeuses et descendantes et professorales. Mais en tout cas, je vais procéder en 5 temps. Le premier qui va être très formel, ce sera une introduction et un contexte synthétique. Malheureusement, je vais beaucoup parler. Je vais vous passer pas mal de diapositives. Un deuxième temps que j'appelle tâches et détachement. Vous allez comprendre ce petit clin d'œil. Enfin, j'espère, sinon c'est que je me suis raté. Un temps d'après qui sera matériel et biologie libre, au singulier comme au pluriel. Allez-y, installez-vous. Et j'espère qu'à partir de ce 3e temps, j'arriverai, en termes d'animation, à amener un peu plus d'interaction avec vous, de questions-réponses, de dialogues que je souhaite jusqu'à la fin de ce temps, qui n'est pas, qui sera qu'une demi-conférence, en tout cas ce que j'espère, jusqu'à aller à l'atelier qui aura lieu à partir de 18 h, si je ne me trompe pas d'heure, Régine, c'est ça? Alors, en tout cas, à la fin de la conférence, il y aura une petite pause. Et ensuite un atelier de mise en pratique. Voilà en gros le plan de notre fin d'après-midi ensemble. Pour commencer par le commencement, biohacking est un terme forgé, un anglicisme, c'est pour ça que j'essaye avec ma mauvaise langue française qui fourche de parler anglais, la contraction de 2 mots, biologie et hacking. La première fois qu'il apparaît, ou la plus grosse preuve qu'on a de son apparition, c'est en 1988, chez le sociologue spécialisé de l'innovation qui s'appelle Everett Rogers. À la fois dans la presse, à la fois dans des articles, il y avait un peu de web à l'époque, mais pas le web qu'on a aujourd'hui, et sur son blog et sur des publications papier. Everett Rogers, en tant que spécialiste de l'innovation, s'intéressait beaucoup à la communauté des hackers, ou des hackers, comme on dirait avec un mauvais accent anglais. Donc des personnes qui bidouillaient des ordinateurs, des microprocesseurs, des télécommunications. Et en 1988, il met en garde en disant « Ce qui est en train d'arriver dans le monde de l'informatique et des télécommunications et de l'information, ben en fait, vous allez le prendre en pleine tête avec des personnes qui vont faire de la biologie. » Je fais de la paraphrase et de la mauvaise traduction de Everett Rogers. Et tout de suite, il identifie ça à des personnes qui vont faire des futurs Frankenstein. Des docteurs et des doctoresses Frankenstein qui vont produire des monstres. Donc il y a 2 notions à l'intérieur, ou en tout cas 3 notions. La capacité à s'emparer des sciences et des techniques pour en faire des choses en dehors des institutions. La deuxième, c'est la réunion, ce sont des personnes qui se réunissent. Et la troisième, c'est la crainte. Dans le même mouvement, et de manière concomitante, il y a également Michael Schrage, qui est aussi nord-américain, comme Everett Rogers, qui lui est spécialiste de l'économie numérique. Je ne vous ferai pas l'affront de le prononcer en anglais. Qui, dans le Washington Post, journal respectable ou respecté, je ne sais pas, parle de personnes qui pour lui ne sont pas vraiment adultes. Il parle d'enfants qui jouent et qui se prennent à Dieu dans des caves. Et l'une des grandes craintes chez Schrage, on est en 1988, c'est complètement concomitant avec Rogers, l'une de ces craintes, en tout cas elle est double, elle part du clonage. Il a peur qu'on clone des parties de moutons. J'insiste là-dessus parce qu'en fait on est 8 ans avant le premier clonage du mammifère qui s'appelle Doggy, qui est une brebis qui arrivera en 1996. Donc il a déjà cette crainte du clonage. Il est plutôt dans la prescription ou dans les tablettes qui annoncent un futur probable. Et sa deuxième crainte, elle est sur ces enfants, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, qui joueraient dans des caves pour cloner des virus. Ça inquiète beaucoup, notamment des virus pathogènes et potentiellement dommageable, voire mortel pour les êtres humains. Donc, le terme naît là, en 1988, à l'orée de l'ordinateur domestique. Je suis assez vieux pour l'avoir vécu. Le fait qu'on ait des ordinateurs qui arrivent dans nos maisons, des consoles de jeux vidéo, l'explosion d'une marque et de leur capacité à vendre qui s'appelle Apple, Microsoft et d'autres, qui vont diffuser tous ces appareils-là. Et on a deux spécialistes de l'innovation qui viennent de ce secteur-là, du secteur numérique, informatique, qui craignent que ce qui se passe, qui commence à se passer en fait avec l'ordinateur, arrive dans la biologie. Donc ils déclament, voire peut-être ils hurlent, une mise en garde. Et on est vraiment à l'orée d'une forme de démocratisation des ordinateurs, des appareils qui permettent de la computation. En France, on était pas... Les ordinateurs américains ou d'autres arrivaient, mais on était encore au Minitel. Et c'est le même principe, en tout cas. Le deuxième terme qui compose biohacking, c'est biologie. Lui est plus ancien, quand bien même il ne date pas des âges très sombres. Le terme biologie en tant que science, et ça c'est assez peu connu, en tant que domaine scientifique, est défini pour la première fois en 1766 par Michael Christophe Hanov. Puis ensuite, ça a été repris et retravaillé en 1797 par deux médecins, Rousse et Burdac, puis en 1800 et 1802 par deux noms qui sont un peu plus connus, Trevinarius et surtout Lamarck. Donc on est sur un terme, un champ scientifique qui est relativement récent, qui a moins de 250 ans, et il y a un mot qui est forgé de ces deux choses-là. Et là, je vous ai mis une citation de petit précis de philosophie de la biologie, écrit en français par Thierry Hoquet, qui cite un biologiste français très connu, qui est décédé il y a quelques années de son âge avancé, qui est François Jacob, qui spécifie bien que la biologie, ce n'est pas l'étude de la vie, c'est l'étude de certaines parties du vivant et de son fonctionnement, avec différentes échelles. Individus, tissus, cellulaires, molécules. Et c'est très important à comprendre pour l'instant. C'est un peu comme l'informatique qui a ses différentes hiérarchies, information et communication, réseau, logiciel, hardware et d'autres. Il y a une hiérarchisation. Et donc, il y a différents protocoles de fonctionnement. Ainsi, deux personnes nord-américaines définissent un risque et une potentielle évolution de la société vers le biohacking, c'est-à-dire la jonction entre la biologie, qui elle existe depuis plus de 250 ans, à l'époque où ils écrivent, et le hacking, qui lui est quand même un peu plus récent. Le hacking, en fait, ce terme-là naît et commence à être écrit en 1960, notamment autour de l'université qui s'appelle le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, dont les deux premiers auteurs que je vous ai cités sont assez proches, en termes d'influence, comme en termes d'écriture, comme en termes de fréquentation d'universitaires et de labos. Et en 1960 et en 1980, et je mets 80 comme deuxième bordure, parce que c'est une double décennie, c'est une vingtaine de ce qu'on appelle de contre-culture, en Occident en tout cas. Il y a tout un mouvement culturel de contestation, des connaissances, des savoirs, de revendications politiques. À partir de 1960, le terme hacking arrive. Si je fais un résumé très succinct, et presque vulgaire dans le bon sens d'être vulgaire, il y a au moins 4 points dans le hacking. Le premier, c'est de refuser toute boîte noire. C'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. La plupart des boîtes noires ne sont pas noires, mais c'est des boîtes sombres, obscures et fermées. Si vous avez un téléphone portable, ou un smartphone dans votre poche, ou un ordinateur, ce sont des boîtes sombres et obscures. Par le fait qu'on les possède, par le fait qu'on les porte, par le fait qu'on ait des interactions sociales les unes et les uns avec les autres, on produit de l'information. Cette information est enregistrée dans ces boîtes de conserve, pour le faire très vite. À l'intérieur sont procédés un ensemble d'opérations qui vont traiter, qualifier, quantifier, indexer ces informations pour en faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la donnée. Cette donnée, elle est très très probablement, voire même c'est quasiment sûr et certain, qu'elle est transmise ensuite à des tiers. Entre la première phase où nos interactions font entrer dans les boîtes des données, des informations, où on peut en avoir un regard vague et peut-être peu précis, Ce qui se passe à l'intérieur, à moins de déployer beaucoup d'énergie, de science et de technique, on ne sait quasiment rien. Et ce qu'il en ressort, on peut en avoir sur un spectre qui va de la légende urbaine jusqu'à une petite qualité d'information. Donc le hacking commence par là, refuser ces boîtes noires, et fermées, et closes, et non compréhensibles. Le deuxième point est s'autoriser justement à démonter toutes ces boîtes pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Vous verrez, enfin en tout cas j'espère que vous viendrez à l'atelier après, que d'autres types de boîtes sont par exemple des autotests qui ont leur heure de gloire depuis 2 ans pour les personnes qui n'utilisent que les autotests Covid, ou en tout cas antigéniques. Il y a tout un paquet d'autres d'autotests qui préexistaient avant et qui sont encore vachement utilisés. Des autotests de grossesse, des autotests HIV, des autotests hormonaux. Ce sont aussi les boîtes noires. On sait à peu près ce qu'on dépose dessus, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur, et on a un résultat quasi définitif qui tombe comme un coup près en nous disant « vous avez ça ou vous n'avez pas ça ». C'est ça le principe de boîte noire. Donc s'autoriser à le démonter fait partie du hacking. Ensuite, troisième point du hacking, qui est très important en termes de philosophie et de mise en pratique, c'est partager la connaissance et les savoirs acquis au moment où on s'est autorisé et où on démonte ces boîtes et ces appareils qui sont très obscurs. Et quatrième point, c'est se sentir légitime, et là c'est un principe communautaire, parce que c'est très difficile à le faire seul, pour réassembler ce qu'on vient de démonter, et le réassembler avec une proposition de valeur et des fonctionnalités différentes, y compris jusqu'à en faire de l'art. On n'est pas obligé de réparer le téléphone que Google ou Apple a produit. On peut juste dire, je l'ai démonté, j'ai compris ce qu'il y a à l'intérieur, et pour le critiquer, je peux produire une œuvre d'art. Je ne suis pas obligé de fournir à Apple et à Google de la main-d'œuvre et du savoir et de la technique gratuite, parce que j'ai démonté quelque chose. Donc voici la contraction des 2 mots entre biologie et hacking. Une petite anecdote assez intéressante, j'espère que j'arriverai à la tenir jusqu'au bout, c'est que si biologie commence à être définie fin du XVIIIe siècle, la première fois en 1766, et si le hacking, lui, arrive presque 2 siècles après, en 1980, et bien juste avant, il y a un terme qui fait vachement moderne, qui s'appelle le design. Et en fait, le design, et ça étonne souvent des personnes avec lesquelles je travaille, le design était pour la première fois défini, écrit et produit en 1750, soit 15 ans, 16 ans, avant la biologie elle-même en tant que science, en tant que champ scientifique. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a une question, parce que mettre des grands termes, biopunk, biohacking, biologie participative, peut-être ça viendra, informatique, ça paraît très moderne. Et la question de la modernité, elle est loin d'être neuve. Le design de table, de n'importe quoi, d'application smartphone, paraît très moderne. La biologie, d'autant plus avec la prégnance et le poids qu'on porte aujourd'hui sur le soin des personnes, les questions pandémiques, les questions de lien entre biologie et médecine, paraît très moderne. L'informatique paraît très moderne. Le hacking paraît très moderne. Du moins, à minima, dans la médiatisation, de ce qui se fait autour, ou de ce qui ne se fait pas autour du hacking. L'art peut paraître moderne. On parle d'art moderne. Le biohacking pourra vous paraître à l'instant, ou avant de venir aujourd'hui, moderne. Donc en gros, on a au moins 5, 6, voire 7 champs dans lesquels apparaissent et s'expriment des figures de modernité. Dans un ouvrage de 1999, Laurence Allard, qui est une autrice et une universitaire, son ouvrage était intitulé « L'amateur, une figure de la modernité esthétique ». Laurence avait écrit, je cite et entre guillemets, en 1996, 17% des Françaises et des Français de plus de 15 ans avaient pratiqué en amateur une activité artistique. Il y a une question que je vous partage, vous pouvez d'ores et déjà y répondre à haute voix en levant la main ou la garder pour plus tard. En 2022, notamment après 2 ans de pandémie, Covid, mais pas que. Quelle proportion de personnes ont pratiqué une activité faisant partie du large éventail de la biologie? En tout cas, un intérêt. Je dirais 5%. Très honnêtement, je n'ai pas de chiffres. Mais c'est très gentil de répondre. Mais entre les commentaires sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui se sont improvisées, et c'est pas grave, c'est un droit et une liberté de venir quémander, le bon terme n'est pas quémander, mais faire une requête du droit au dialogue sur ces termes-là. Mais en tout cas, la figure de l'amateur et de la matrice préexiste au fait de l'informatique, préexiste au fait du biohacking, préexiste à beaucoup de choses. L'encyclopédie de Diderot, où aujourd'hui Wikipédia est une évolution, ou une compréhension différente, bah ce sont des amatrices et des amateurs qui créent et qui contribuent à une nouvelle forme d'encyclopédie. Chez Max Weber, chez lequel je reviendrai après, notamment via l'école de Francfort, je me permets un peu de digression, parce que je sais que je suis dans une université que beaucoup de personnes, au début, de manière officieuse, ont cité leur cursus ou leur background, comme on dit aujourd'hui dans la Startup Nation, universitaire ou estudiantine ou estudiantin. Chez Max Weber, la modernité est marquée par deux traits majeurs. Le premier, c'est l'intellectualisation de l'objet qu'on travaille. Et le deuxième, c'est la spécialisation. Chez Christophe Pomian, et là je continue à piocher, voire même à copier-coller chez Laurence Allard, mais j'ai pas de problème moi à copier-coller. Ces deux traits, noués dans une activité sociale, ressemblent quasiment trait pour trait d'ailleurs, au cabinet de curiosité du XVIe et XVIIe siècle. Ces cabinets de curiosité étaient un marqueur social, une preuve de quasi-science, notamment en biologie, malgré que la biologie n'existait pas encore au XVIe et XVIIe siècle. On était plutôt sur le naturalisme ou sur la botanique. La physique, les mathématiques existaient. Et donc, d'avoir un cabinet des curiosités, c'était très bien, par soi-même, pour les personnes qui avaient beaucoup d'argent et la place dans leur maison, d'avoir un cabinet des curiosités, ou il n'y avait pas encore l'académie, mais dans le début de ce qui commençait à se former comme des institutions de savoir. Chez Pomian, ces cabinets de curiosité, en fait, sont, et je cite entre guillemets, des hommes savants et omnivores mus par une érudition galopante. C'est extrait d'un livre qui a été publié par Pomian en 1987 chez Gallimard, la page c'est 80 si vous l'avez cherché, qui s'appelle « Collectionneurs, amateurs et curieux ». Je reviendrai plusieurs fois dans la conférence, et dans ce qui sera plus la conférence après, sur ce trope masculin, voire très probablement masculiniste. Et si j'oublie de le faire, s'il vous plaît, rappelez-le-moi. Donc, on voit que d'un terme forgé par deux experts en innovation, qui eux-mêmes parlent de caves et de personnes qui se réassemblent, ils assemblent deux mots, biologie et hacking, qui eux-mêmes comportent le fait de réunion, de s'assembler et de sociabilité. Déjà, à partir du XVIIe siècle, on parlait, et Laurence Allard le retranscrit, mais d'autres avant elle, de collectifs non experts qui tentent ou qui essaye d'entrer dans l'expertise technoscientifique sous des formes d'assemblée. Et le terme, je l'accentue volontairement, parce que c'est assemblée au sens l'assemblée qui a fait le serment du jeu de paume. C'est vraiment les engueulades, le tour de table comme ça, où normalement je ne suis pas le seul à parler, tout le monde lève la main, jette des gobelets, et dit je veux voter, je ne veux pas voter, je suis contre le vote, je suis pour le vote. Voilà, des assemblées, deux personnes et une sociabilité. Ces assemblées semblent porter, encore aujourd'hui, une forme d'esthétique de modernité, comme s'il était moderne, comme si c'était nouveau et bien de s'assembler. Sauf que, en fait, c'est très, 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 très ancien et que c'est entaché par des héritages. Et c'est notamment entaché par la magie. Je ne dis pas que la magie est mal ou bien, je dis que la réalité, c'est que les héritages font qu'il y a de la magie qui tâche ces assemblées. Ici, vous avez une illustration d'un camp, qu'on a appelé Indie Camp, à Carbor, sur la côte de Granitrose, en 2018, où nous étions plusieurs à commencer à fabriquer, en tout cas à répliquer, parce que le prototype existait déjà, ce qu'on appelle une imprimante à faire de la bioimpression. Donc on a récupéré des déchets informatiques, on a fabriqué par nous-mêmes de quoi imprimer des tissus biologiques. Donc il y avait déjà assemblé. Et dans cette petite assemblée en plein air, c'était très joli, Côte de Granitrose, il y avait des divergences, il y avait des engueulades et des personnes qui étaient pour la magie, pour la sorcellerie, d'autres qui étaient pour une science dure, d'autres qui étaient pour une science molle, d'autres qui étaient pour la discussion de tout le monde. Et si je vous dis que ce n'est pas nouveau, ben je vais faire référence à Marcel Mauss. Alors j'ai cru comprendre que les personnes avaient fait socio ou anthropologie dans le coin, donc je pense que ce n'est pas du tout nouveau pour vous, Marcel Mauss, qui a écrit en 1902, enfin il a écrit avant, mais qui publie la synthèse de ses travaux de théorie générale de la magie en 1902-1903, où il étudie, et là c'est même lui qui met des guillemets, les peuples premiers ou autochtones. Il évite un regard colonialiste, malgré son époque. En gros, dans son étude et compréhension des assemblées magiques, où en général c'était tenu par un magicien, et malheureusement pas par une magicienne, le concept ou l'idée était d'expliquer les phénomènes non compris et d'étudier ce qui était de l'ordre du naturel, même si le concept naturel n'existait pas vraiment dans le sens qu'on comprend aujourd'hui à l'époque. Et ce qu'il dit, je cite, « On peut croire que c'est aussi dans les écoles de magiciens que se sont constituées une tradition scientifique et une méthode d'éducation intellectuelle. Elles furent les premières académies. Un peu plus loin, si éloignés que nous pensions être de la magie, nous en sommes encore mal dégagés. Et encore un peu plus loin, ni les techniques, ni les sciences, ni même les principes directeurs de notre raison ne sont encore lavés de cette tâche originelle. » Et en fait, je considère, et je ne suis pas le seul, j'en apporterai quelques commentaires et quelques preuves publiées, que l'on retrouve la même chose dans l'informatique, dans les télécommunications, et notamment dans notre rapport à la biologie, en tant que science, en tant que repère informationnel auquel on se réfère pour essayer de trouver, je mets énormément de guillemets, des vérités. Du coup, maintenant, je vous pose une question. Et toujours pareil, vous avez le droit de m'interrompre, et s'il vous plaît, faites-le. Lorsque je brandis devant vous des gants d'examen, une micro-pipette et un micro-tube à PCR, qu'est-ce que ça fait dans votre imaginaire? Qu'est-ce que ça déclenche en vous? Pardon? Non, je ne vous mettrai pas ça dans le nez. Mais c'est intéressant. En fait, les objets et les manières dont les objets sont reliés à des individus auxquels on confère plus ou moins consciemment ou inconsciemment une posture, avec lesquels il y a des savoirs associés, déclenchent des imaginaires qui peuvent être liés à la magie ou carrément à la réfraction, parce qu'on n'aime pas la magie. Et je répète, je ne porte pas de jugement dessus. C'est juste, je crois, une réalité assez concrète. D'ailleurs, si je reprends, et je vais toujours piocher chez les anthropologues et les sociologues, monsieur Alfred Gell, dans Technologie et Enchantement, pour lui, la magie hante toujours. Alfred Gell est beaucoup plus récent quand même que Marcel Mauss. Hein. Alfred Gell, il me semble qu'il est encore vivant. La magie hante toujours l'activité technique comme une ombre. Et un peu plus loin, il y a 2 ans, 3 ans, monsieur Louis-Philippe R. Murillo, dans Magie et / comme hacking, dit carrément qu'il y a fusion entre hacking et magie. Il s'agit d'un anthropologue qui s'est immergé dans plusieurs hackerspaces pour voir ce qu'il se passait. Et il en publie dans une revue dûment nommée Mauss, comme l'anthropologue, M-A-U-2-S, le fait que pour lui, il y a carrément... Encore aujourd'hui, en 2020, 2022, 2017, une fusion entre magie et hacking, dont notamment les agents du hacking et les agentes du hacking jouent ou surjouent, ou en tout cas se comportent bien ou se confortent bien. Excusez-moi, mais je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous entendez par magie, c'est la charge symbolique imaginaire? Sacrée question. Je précise tout de suite que je ne suis pas anthropologue, même si je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie, oui, il y a une charge imaginaire grande, forte, prégnante, très lourde, à la fois avec l'informatique et qu'on retrouve avec la biologie. Je répète, notamment sur l'aspect biohacking, la biologie préexistait à l'informatique et au biohacking. Mais le biohacking, lui, naît dans un contexte où l'informatique vient dans nos quotidiens, dans notre quotidienneté, dirait Hannah Arendt. Tous les jours, le logiciel intervient et on interagit avec les logiciels. Et du coup, les symboliques se surchargent aussi là-dessus. Après, il y a aussi les postures, les habits, les apparats, qu'elles soient visibles ou invisibles, c'est-à-dire quel rôle jouent les agentes et les agents de l'informatique, mais aussi de la biologie et du biohacking. Aujourd'hui, vous allez dans un laboratoire d'analyse pour faire un test Covid, parce que c'est comme ça que ça se dit dans le langage courant. La plupart des laboratoires d'analyse médicale et biologique ne font pas eux-mêmes et elles-mêmes les analyses PCR. Ils font les prélèvements, ils stockent les prélèvements avec toute la chaîne de froid et machin et procédures. Une fois qu'ils ont 100, 1000 ou 2000 prélèvements, il y a une voiture balai, un peu comme les trucs autour de France qui arrive, qui charge, qui va à la maison régionale, qui n'est pas la maison mère, qui se charge de procéder de manière automatisée, informatique, industrialisée au prélèvement. Et pourtant, on garde cette charge symbolique en disant « Ah, j'ai fait un test PCR dans le laboratoire et j'attends le résultat ». C'est aussi pour ça que le résultat peut arriver 24, 48 heures ou ne pas arriver, ou arriver très très longtemps après. Donc oui, il y a une charge symbolique très forte. Après, je n'irai pas complètement empiéter, même si je les adore chez les anthropologues. Et donc là, bah, vous avez une photo, une illustration d'un autre Indie Camp, qui sont des formats auxquels j'ai participé. En gros, c'est des formats de 15 jours à 3 semaines, où les personnes viennent sans forcément se connaître. Il y a une intention commune déposée au milieu de la table, et puis on faisait de l'informatique, de la biologie, d'autres choses, du hacking. Et voilà, il y a des personnes qui pensaient qu'on faisait de la magie, parce qu'elles voyaient de la lumière bleue et de la lumière verte, parce qu'il y avait l'ordinateur, des micro-pipettes et des micro-tubes. Et ce qui m'a le plus frappé, c'était la difficulté de dialogue entre les personnes qui font ce qu'elles font, qui pensent savoir ce qu'elles font, qui sont biologistes, biohackeuses, biohackers, queer en transition, informaticiens, informaticiennes très diplômés, très calés, avec des personnes qui disent « mais vous faites de la magie, alors expliquez-moi ». Il y avait ce non-frottement en fait, un peu comme deux rouages qui n'arrivent pas à se trouver, de dialogue, de « oui, je fais de la magie, et alors ?» et je te remontre, je refais une démonstration performative que je fais de la magie, et les autres personnes en face qui disaient « waouh, c'est vraiment de la magie ». En fait, il n'y avait pas vraiment d'explication et de dépliage des choses qui se passent vraiment. Et du coup, pour revenir à mes histoires de biohacking et de biologie et de biopunk, avec tous ces héritages de la biologie depuis 1766, de l'informatique, du hacking des années 60, de deux personnes qui ont pignon sur rue, je le dirais comme ça, avec tous ces héritages et les cas présents, y compris ceux et celles que vous avez dans vos têtes et dans vos imaginaires. Et en plus du contexte de la fin des années 80, qui est la rupture, ou en tout cas le raté de la contre-culture, notamment nord-américaine, plus le fait que Everett Rogers et Michael Schrage sont des nord-américains spécialistes de l'innovation digitale, on dirait aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de surprenant au fait que le biohacking, hier et aujourd'hui encore, soit lourdement taché et étiqueté avec étrangeté. Encore une question que je vous partage. Est-ce moderne de faire de la biologie par soi-même? Je laisse un peu de silence, comme ça vous pouvez réfléchir. Est-ce risqué de faire de la bio-ingénierie, ou de la biogénétique, ou du génie génétique? Est-ce que c'est être des enfants et des enfantes que de dire « je vais m'intéresser aux polluants qu'il y a dans l'eau et dans les sols, ou dans les végétaux ». Est-ce être une personne étrange que de démonter et refabriquer des autotests et des hormones qui permettent des traitements? En fait, dans ces questionnements-là, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment rien de nouveau. Je veux bien qu'il y ait des figures de modernité, mais il n'y a rien de nouveau. Marie Shelley, autrice de ce qui est appelé aujourd'hui Frankenstein, qui s'appelle en français le Prométhée moderne, donc qui se relie à la mythologie grecque, en anglais The Modern Prometheus. Elle le publie en 1818. Et en gros, dans son bouquin, le docteur Frankenstein crée un objet. Il déploie toute sa science et toute sa technique pour concevoir un objet, qui est une ultra-performance, quasi un aboutissement de ce que sont les sciences et les techniques de l'époque. Oui, c'est un roman de fiction. Oui, c'est un roman spéculatif. Oui, c'est un roman qui porte une critique sur les sciences et les techniques. Mais il y a un point que je trouve extrêmement intéressant et d'autant plus moderne que le biohacking, l'informatique ou toutes les histoires que je vous raconte depuis le début de cette introduction, c'est que pour que l'objet du docteur Frankenstein devienne vivant, le docteur Frankenstein doit insuffler de lui dedans. À travers ses sciences et ses techniques et sa passion, Mary Shelley, en anglais, parle de « spark of being ». C'est-à-dire que les scientifiques et les ingénieurs, dans les objets qu'ils créent, qu'ils soient des objets de recherche scientifique, que ce soit des objets conçus en termes de design ou en termes d'ingénierie, insufflent d'elles et d'eux dans ces objets. Et cette insufflation dans les objets a des conséquences sur les personnes qui vont rentrer en interaction avec ou qui vont les utiliser. L'ordinateur, les autotests, les molécules, les vaccins. Et ce regard critique, en fait, porté par Mary Shelley en 1818, sur la manière dont on a à concevoir ou à démonter des choses, parce qu'ensuite j'ai parlé beaucoup plus de démontage, voire même de casser volontairement des choses, eh bien, ce regard critique, il est porté par certaines communautés, dans la biologie, dans le biohacking, dans les sciences aussi, y compris les sciences sociales, et par d'autres, en fait, c'est complètement oblitéré ou mis de côté. Le mot et les concepts biohacking, si je résume vite fait mon introduction qui est déjà beaucoup trop longue, sont récents. Quand bien même on dirait que la biologie est quelque chose d'ancien, non. La biologie, c'est fin du XVIIIe siècle. Ça reste récent dans l'histoire de l'humanité. Le mot biohacking est forgé dans les fins des années 80. Il y a un des risques, c'est d'appliquer le concept de biohacking, notamment à Mary Shelley, c'est-à-dire d'appliquer un concept récent à des choses anciennes. Et je trouve que c'est fort périlleux. Par contre, il y a une chose qui est beaucoup plus périlleuse, mais beaucoup plus active. Ce sont les tâches et les étiquettes dont nous héritons, plus ou moins malgré nous, que nous soyons biohackeuses ou juste curieuses et curieux ce soir, en tout cas dans cette fin de journée, qui conduisent des regards et qui conduisent la manière dont on aborde les problèmes de la biologie au sens large, mais encore plus dans le côté, l'entonnoir spécifique d'une biologie faite en dehors des académies. Et c'est pour ça qu'ensuite, je vais essayer de vous passer sur les tâches et les étiquettes dont nous héritons pour voir ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, et comment on peut s'en détacher, et aussi comment la biologie n'a pas été qu'une histoire d'académie. Si vous avez des questions, ça me permet de boire une gorgée d'eau. Est-ce que je suis trop conceptuel ? Bien, alors je continue. Et promis, c'est la fin de la partie où je parle beaucoup et après je vais vous poser plein de questions, enfin j'espère. Donc, on en arrive au point, après cette rapide synthèse et survol de d'où vient le mot biohacking et de quoi il hérite comme concept en tant que hacking et biologie et des personnes derrière, qui sont principalement des hommes, mis à part Mary Shelley, mis à part Laurence Allard, que j'adore, mais qui intervient plus tard et qui vient des sciences de l'information et de la communication, bah, Monsieur Rogers, lui, nous étiquetait de Frankenstein. Et aujourd'hui, dans ce qui concerne le biohacking, la biologie, le do-it-yourself, et même plus largement, ça perdure. Et c'est même aller plus loin. Schrage, lui, comme je vous ai dit, parlait de risque de cloner des brebis, voire même de cloner des virus, et des virus mortels pour les humains. En fait, ces deux personnages prenaient comme parallèle la situation dans laquelle ils étaient dans leur époque, c'est-à-dire le début de l'informatique et son explosion en termes de démocratisation avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire l'appareil et les protocoles et les réseaux informatiques dans nos maisons, qu'on pourrait dire domestiques. Donc ils ont fait un parallèle entre les deux en disant « les deux choses vont arriver de la même manière, je vous le prédis ». Ils faisaient la prédiction. Les prédictions, c'est toujours un peu plus bancal que les descriptions, en tout cas. Pour étayer leur vision, ils ont utilisé des grands mots, des grandes alarmes, des grands concepts qui n'existaient pas à l'époque. Par contre, la réalité, c'est que la biologie, en dehors des académies, en dehors des institutions, préexistait à ces gens-là. Même en France. Hein. J'ai trouvé, je ne sais plus où, une édition Bordas de biologie première AB de 1982. Et dans la préface, il est carrément écrit qu'il est recommandé de pratiquer la biologie en dehors de l'école, que ceux-ci sont des préceptes étudiants qui correspondent aux besoins du baccalauréat et du brevet des collèges et les héritages, mais que toute personne qui a ce bouquin entre les mains est encouragée à pratiquer la biologie chez elle et avec d'autres à transmettre les savoirs. Donc là, je veux dire, la France n'est pas le pays le plus anarcho-syndicaliste de la planète. Même pas en 1982, à l'époque où François Mitterrand avait 8 ou 9 mois de mandat. Et bien, 8 ans plus tard, quand même, des Nord-Américains nous disent faire de la biologie en dehors des labos privés, des académies publiques, est un danger pour la population. J'invite à beaucoup interroger cette confrontation de deux concepts, de pratique, de science et de technique, et de partage des savoirs. En tout cas, moi, je m'étonne toujours. Je dis ça parce que je le prends dans la tronche depuis tous les jours et depuis 20 ans. Hein. Qu'il y ait cet oubli, à minima, voire cet angle mort, c'est-à-dire cette non-discussion sur le fait que des sciences et des techniques, et notamment en biologie, notamment en botanique et dans d'autres subdivisions de la biologie, sont complètement oubliées du fait qu'elles préexistaient aux académies, aux institutions, et ce qu'on a appelé en Occident, à partir du XVIe, XVIIe siècle, des sociétés savantes. En gros, pour revenir à ce que je disais sur les pratiques amateurs et amatrices comme figure de la modernité, pourquoi aujourd'hui c'est mal vu d'être amateur et amatrice de biologie, de physique, de mathématiques, ou pas? Ou pourquoi il y a une différence entre le fait d'être amateur ou amatrice de Wordle, je crois que c'est le jeu à la mode aujourd'hui, l'équivalent de Motus, ou de biologie ou de mathématiques? Qu'est-ce qui fait qu'une population plus large par rapport aux personnes passionnées porte des jugements de valeur et de qualité différentes et amène des inquiétudes différentes? Ça reste des questions en suspens. Il y a quelque chose de l'ordre du franchissement de l'étiquette. En tout cas, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu aussi une récupération, si je reprends Laurence Allard, et je la reprends certainement avec des mots maladroits, il y a une récupération des personnes qui étaient amateurs et amatrices d'art, justement, pas en tant que consommation, en tant que compréhension et production. Et qu'à un moment, ce qui n'était pas encore la bourgeoisie, mais ce qui commençait à s'y apparenter, ce qui a fini par se définir à travers ça, a récupéré les savoirs des amateurs et des amatrices d'art pour se définir comme bourgeois et bourgeoises. C'est-à-dire des personnes qui ne produisent pas, qui ne participent que de manière plus éloignée, notamment par la consommation, l'achat et la revente, sont devenues participantes à ce système-là. Et du coup, être amateur et amatrice était quelque chose de valorisable. Je reprends Diderot et l'encyclopédie. On pouvait écrire quasiment pair à pair avec des personnes qui avaient un statut social plus haut, parce que le statut d'amateur et d'amatrice était reconnu comme des personnes qui rentraient dans la technoscientificité par leur passion et leur pratique amateur ou amatrice. Et tout d'un coup, ça a basculé comme, en fait, vous êtes en dehors de ce système-là. Vous n'avez pas la qualité requise pour vous mettre debout sur la table et avoir le même droit, la même voix, la même hauteur de voix, la même considération de savoir. En gros, c'est une forme d'épistémologie de la domination. C'est un classement et une hiérarchisation des savoirs en fonction de la classe sociale. Ça répond à la question? Merci. Et donc, si je reviens à la fin de mon introduction, pour faire tenter une transition, ça fait plus de 200 ans que la biologie existe de manière formelle en tant que science, en tant que domaine scientifique. Il lui préexistait beaucoup de choses. Les académies n'ont pas 200 ans, les universités n'ont pas 200 ans, les sociétés savantes n'ont pas 200 ans. Pourquoi aujourd'hui c'est mal jugé de faire de la biologie hors, ou en tout cas mal jugé, regardé de manière un peu inquiétante, le fait de faire de la biologie en dehors de ces institutions-là? Les inquiétudes et les charges qui accompagnent et qui perdurent sont toujours fréquentes aujourd'hui, et elles ont même augmenté, je pourrais presque dire moisi. À partir des années 2000, tout ce qui relevait du terme biohacker, notamment dans la littérature anglophone, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que la France le reprenne, était lié à un risque de bioterrorisme. Et ça revient encore fréquemment aujourd'hui. Il y a des conférences incroyables avec des gens des services de renseignement, de la gendarmerie, de l'armée, des biologistes, des scientifiques, qui font des grands colloques comme ça, où il y a un risque bioterroriste par des personnes qui font la biologie en dehors des murs de l'académie. Et ça, c'est une tâche très très lourde à porter. Quand vous dites, bah non, nous on fait, et je donnerai plusieurs exemples après, on fait tel petit truc, on fait des choses ensemble, on veut juste partager du savoir, ou on fait l'éducation populaire, où on produit des hormones pour des personnes qui n'ont pas la capacité financière de produire les machines qui permettent de produire les hormones, vous arrivez, enfin très fréquemment, avec des personnes qui vont vous étiqueter bioterroristes. Personnellement, je trouvais ça rigolo au début, parce que peut-être l'insouciance du début et de la jeunesse, puis je me disais, c'est quand même bien rigolo, parce que c'est eux qui tentent de nous surveiller le plus avec des lois, avec des logiciels, avec... des programmes administratifs d'enregistrement de nos empreintes, et je dis ça sans aucune paranoïa. Et c'est nous qui taxent de bioterroristes. Mais autour de la table, nous sommes quasiment les seuls à savoir qu'une empreinte, ça ne s'efface pas en fait. Une fois qu'on a pris votre empreinte, c'est pas comme un mot de passe. J'ai jamais reçu de retour, et on est encore en 2022, et j'attends toujours. Outre le fait qu'il me semble exister depuis 1988 et encore aujourd'hui aucune preuve ni valide ni formelle du fait qu'il y ait eu bioterrorisme ou même tentative de bioterrorisme de la part d'individus ou même de communautés formées et instituées qui pratiquent de la biologie hors des murs des institutions, bah, il me reste quelques tâches, et je parle de tâches comme une tâche de vinaigre qu'on pourrait avoir sur un vêtement, que nous avons apporté à la fois sur nos libertés numériques, à la fois sur nos capacités à faire cité, à faire ville et à discuter ensemble. Et j'espère qu'il y aura des discussions après, vous avez vu, j'insiste énormément. Et que le fait qu'il y ait que cette tâche, en fait, cet héritage très récent des années 80, fin des années 80 et encore aujourd'hui, de crainte de cloner des virus, d'apporter la maladie, de faire du bioterrorisme, en fait, est un drap très lourd à porter et qui masque une réalité de diversité de personnes, de pratiques et une complexité de tout ce qu'est l'écosystème biohacking, DIY, largement, mais notamment do-it-yourself biology et biopunk. Et je vais essayer, après cette introduction, d'en dévoiler le maximum avec vous. Donc, promis, je vais arriver au bout des diapositives où je vous assomme. De 1988 à 2000, et je l'ai mis de manière extrêmement arbitraire. En gros, quand est-ce que le terme biohacking apparaît dans la presse, lié au MIT, et le MIT restera très important tout du long, jusqu'au début des années 2000. Pourquoi le début des années 2000 Parce que, juste avant, il y a quelques dates, où je l'expliquerai après, mais en gros, c'est l'arrivée... en Occident, du web domestique. C'est-à-dire, on peut aller un peu plus vite, un peu plus gratuitement, voire totalement gratuitement sur Internet. On peut faire des sites web, on peut faire des blogs, et on peut partager en peer-to-peer des informations. Et du coup, il se crée une indexation de la connaissance, et il se crée un mouvement de personnes qui créent et qui partagent la connaissance différemment. Et donc, entre 1988 et 2000, la biologie, elle existait. Elle existait hors des académies. Par contre, il existait des hackerspaces, qui, eux, sont liés au mouvement de contre-culture des années 60-80, notamment nés en Amérique du Nord. Ben, en gros, ce qui se passait, c'est qu'il y avait la biologie, sans le dire tel que biologie, sans le formaliser, sans faire collectif officiel, officieux, dans des hackerspaces, dans des squats, dans des festivals. Ça fait en gros 35 ans que le terme est arrivé sur la table de la médiatisation et de sa circulation. 34 exactement, si je sais bien compter. Il se heurte, en tout cas il naît conjointement et il se diffuse avec la culture du web libre, avec les licences libres, et je le montrerai après, avec les logiciels libres. Il y a une grosse coopération, mais jamais formalisée, entre les deux. Et je répète les histoires de bioterrorisme ou de terrorisme qui arrivent déjà dès les années 90 en regardant les personnes qui font la biologie et les personnes qui disent « mais attendez, mais là vous faites des lois, notamment le fichage génétique, il y en a eu quelques histoires pas mal entre la Bretagne, Nantes, Redon sur les derniers attentats des indépendantistes où c'était les premières tentatives de séquençage génétique des parents proches des personnes inculpées. Comme si la preuve génétique était infaillible, sauf que ça est révélé faillible. Bref, il y avait des personnes qui tiraient la sonnette d'alarme. Moi, au début des années 2000, j'étais barman dans plusieurs bars LGBTQ, et il y avait une espèce de non-formalisation, non-règle, non-dite, d'entraide, il y en avait beaucoup, mais de tout ce qui touchait à la consommation de drogue, plus ou moins dure, de consommation de substances plus ou moins illicites pour l'excitation sexuelle ou d'autres formes, et aussi les traitements médicamenteux pour des maladies virales, notamment le HIV. Et il y avait tout un réseau informel d'échanges d'informations, de pratiques, d'échanges de médicaments qui se faisait. À l'époque, je commençais à fréquenter les bancs de la fac de biologie. D'autres personnes, qui n'étaient pas inscrites à la fac de biologie, venaient sur les bancs pour en apprendre. Mais il n'y avait pas encore cette formalisation d'une communauté de DIY, de biopunk, de soins ou d'autres choses. Pourtant, il y avait déjà ces héritages-là, et d'autres qui préexistaient aux communautés queer, trans, lesbiennes et gays, sur le fait qu'elles étaient porteuses de maladies parce qu'on est gay, on est porteur de maladies, parce qu'on est lesbienne, on est porteur de... C'était ça quand même encore en 2000. Hein. En gros, on se retrouvait dans des bars qui portaient un sticker sous un drapeau, ou dans des caves, ou dans des teufs. Il y avait un échange informel. Il n'y avait pas de lieu et de communauté instituée. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de réunion comme ce soir, il n'y avait pas de conférence, entre guillemets, comme ce soir. Il n'y avait pas moyen de le faire ensemble et de le mettre réellement sur la table comme un débat public, et comme, ou en tout cas comme quelque chose de communautaire et de commun. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Je n'avais pas conscience encore à l'époque que le... Je n'avais même pas croisé le terme biohacking en 2001. Je l'ai croisé beaucoup plus tard. Mais je me suis quand même dit, il y a quand même un truc à non pas jouer, mais... Il faut agir, quoi. Et à partir des années 2000, à partir du moment où le web devient un peu plus démocratique, il y a plus de personnes qui partagent avec de la distance. Il y a plus d'indexation et d'archivage. Et ça change beaucoup avec ce que moi j'ai vécu en gros entre 1998 et 2002, parce que tout ce que j'ai vécu entre 1998 et 2002, et pas que moi, les personnes avec qui je discute encore et qui sont encore vivantes, il y a zéro trace d'archives. On a raté un palier énorme, on a raté un truc, on n'a pas été nul, je ne vais pas dire ça, mais ouais, il n'y a pas de trace de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait. Ni de trace de récit, ni de trace scientifique, ni d'indexation, ni de trace documentaire, il n'y a rien. Donc en gros, ce serait comme dire, on recommence tout, non pas les savoirs qui peuvent se transmettre de manière non écrite, non informatique, de manière orale ou d'autres manières, mais il y a plus grand chose à transmettre pour d'autres personnes qui voudraient faire de la recherche, par exemple, ou qui voudraient comprendre, ou qui voudraient éviter de réinventer la roue, ou qui voudraient éviter de refaire les mêmes erreurs. Et donc, à partir de 2000, le web change beaucoup la donne. Internet et le web, notamment. Et en changeant la donne, bah, il ouvre aussi la porte à d'autres acteurs et d'autres actrices. À partir de 2004, par exemple, l'IGEM Jamboree, donc qui est très nord-américain, et qui en fait est un concours d'ingénieurs, et c'était que des hommes à l'époque, c'est pour ça que je ne féminise pas, en biotechnologie. C'est réellement un concours avec ce qu'on appelle un prize pool. Les personnes qui gagnent ont droit, je ne sais plus combien c'était, c'était pas grand-chose, ça devait être $4 000 US à l'époque, à ça pour développer un projet autour des biotechnologies, de la bioingénierie, du génie génétique. C'est lié au MIT. Donc c'est encore lié au fait que dès les années 88, dans le MIT se réfléchissait la jonction entre l'informatique, les libertés publiques, la discussion et la biologie. Ce que les Américains appellent très très volontiers la biotechnologie. L'IGEM, en gros, existe toujours, a énormément grossi et est considéré par beaucoup, des personnes militantes, des personnes de l'université, des personnes de la recherche, des personnes du politique et un peu partout sur tous les continents, comme une forme de privatisation des communs, quand bien même ils utilisent des licences libres sur les documents qu'ils publient. Donc il y a cet acteur-là qui arrive en 2004, qui en gros sent le bon filon de quelque chose à déployer, développer. En 2005, il y a un projet qui sort, toujours du MIT, comme quoi ils ont le droit d'être différents et en non-conciliation au sein de la même université, qui s'appelle OpenWetWare. Donc Open, c'est pour ouvert, et WetWare, c'est une allégorie, en tout cas une tentative de dire il y a le software, le logiciel, il y a l'hardware, les cartes graphiques, le moteur de votre voiture, qui peut être libre. On a des licences, on commence à en faire au début des années 2000 du matériel libre, c'est-à-dire que toute personne peut le reproduire en respectant la licence, il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de brevet dessus. Et bien les personnes disent, on va faire la même chose sur le matériel biologique et chimique. Et alors là, boum, grosse révolution. Attendez. Matériel biologique et chimique. Comment ça, c'est pas libre? Vous voulez dire quoi? Les globules que j'ai en moi sont pas libres? Si, bien heureusement. Personne n'a réussi à le breveter. Et certaines lois le protègent au niveau international. Au tout début des années 2000, on arrive à l'apothéose d'un projet qui s'appelle Human Genome Project, qui a duré plus de 11 ans et des milliards de dollars US, pour séquencer, non pas l'intégralité de tous les génomes humains, mais à partir de 11 personnes candidates, avoir une cartographie de ce qu'est le génome humain et pouvoir comparer avec d'autres. Les personnes qui ont séquencé ce génome ont fini par avoir le prix Nobel. Le prix Nobel a été donné de manière stratégique pour éviter que le génome humain soit breveté. Au début des années 2000, on en était là. Poser des brevets sur le génome humain ou sur des parties du vivant. On en est encore là 20 ans après, malheureusement. Il y a d'autres entourloupes. En général, quand on combat quelque chose, il y a des contre-mesures qui arrivent et des affinements de stratégie. Et donc, OpenWetWare arrive en 2005 en disant bah, « Nous, on fait un truc simple, on utilise du logiciel libre, des licences libres, en gros, on fait un wiki ». On fait la même chose que Wikipédia, mais dédié à la chimie, à la biologie, à la biochimie. Et on partage nos recettes, on partage le projet, on partage les molécules, on partage le séquençage, et on met tout sous licence libre. Ça existe toujours. 17 ans après, 2005-2022. C'est une mine d'or, c'est extraordinaire, et ça sort de la même université, MIT, qui elle-même a produit des projets qui tendent à phagocyté, à enfermer sous du copyright et sous du brevet industriel, sur la propriété industrielle, beaucoup de choses. Et donc il y a toute une accélération. Il y a une accélération qui me paraît très importante dans le concept de biohacking, biopunk et partage, il est culturel. En 2005, c'est ça, le premier fanzine, en termes de communauté, on a notre premier fanzine, c'est-à-dire on a notre premier support culturel et communautaire qui est créé sous licence libre. Qui s'appelle Adventures in Synthetic Biology. Donc c'est l'histoire d'une personne plus ou moins dégenrée, mais c'est compliqué de porter un regard 15 ans après dessus, mais il y avait une tentative, en tout cas à l'époque, qui apprend à un enfant ce qu'est la biologie synthétique. La biologie synthétique, en 2005, c'était une sacrée révolution. Le séquençage d'un génome, un test PCR, coûtait des dizaines de milliers d'euros. On espérait le faire dans une cuisine, on espérait le faire autour d'une table, mais c'était très très compliqué, notamment au rapport à l'argent, et parce que tout le matériel était propriétaire, et parce que les techniques n'étaient pas assez évoluées. Et là, par cette diffusion culturelle, plus un wiki, un lieu de rendez-vous numérique communautaire où des personnes peuvent se rencontrer, discuter, échanger, partager, eh ben, on a quelque chose qui explose au niveau planétaire en termes de nombre de communautés, de lieux et de pratiques et de diversité. Et aussi d'engueulades de diversité. Se crée dans la même foulée la BioBrick Foundation, toujours liée au MIT, et c'est pas mal ou c'est bien, mais elle se crée. Elle végète pendant 15-20 ans, et aujourd'hui elle est très importante parce que c'est la seule qui a créé la seule, non, j'allais dire licence, c'est pas une licence libre, l'équivalent d'une licence libre appliquée au vivant. J'y reviendrai un peu plus tard en détail. Il y a un projet plus ou moins start-up qui s'appelle DIY Biosphere, qui existe toujours, qui, en gros, un site web pour référencer qui fait de la biologie, du biohacking, du biopunk, de la start-up bio, voilà. Aujourd'hui, en 2022, je crois qu'on est à plus de 4000 références. La question est, comme c'est de l'auto-référencement, qui se dit quoi, pourquoi, comment? Est-ce que c'est valable? Est-ce que certaines pratiques ont disparu? Est-ce que certaines communautés, certaines personnes ou pas? Et en 2009, qui me semble être la bascule vers ce qu'on vit aujourd'hui en termes de... Je ne peux pas utiliser modernité, je l'ai critiqué. Mais en termes d'état de l'art actuel, qui est le réseau Acteria, qui naît en Suisse et en Europe de l'Est, qui existe toujours, qui porte beaucoup de choses et qui fédère plusieurs milliers de personnes. Et donc on a au moins deux phases. Une phase de végétation, de pas trop savoir, de pas trop déclarer, de rester underground, comme on pouvait dire à cette époque, à une phase 2000-2010 qui est la bulle web et internet et un peu euphorisante, qui permet de développer et de faire grandir le biohacking. Et puis de 2010 à 2022, bah, c'est la grande époque des questions, à la fois les grandes victoires comme Sci-Hub. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site qui permet d'avoir accès à une très grande partie des publications scientifiques sans passer par les paywalls, c'est-à-dire par exemple, le journal Nature qui va vous dire 75$ US telle publication, bah vous récupérez l'identifiant qui s'appelle DOI, vous allez sur Sci-Hub, notamment, c'est bloqué par la plupart des fournisseurs d'accès Internet en France, mais vous utilisez le navigateur Tor, vous mettez le DOI dans le navigateur via Sci-Hub et vous avez la publication gratuitement, parce qu'il semble à peu près normal que de l'argent public qui finance de la recherche publique puisse produire de la connaissance publique. Je dis à peu près normal, sauf que ce n'est pas la réalité. À partir de 2010, notamment en France et en Europe de l'Ouest, on voit émerger les premiers biohackerspace, identifiés et revendiqués comme ça. Ce ne sont plus des personnes, des individus dans les hackerspaces qui pratiquent la biologie, ce sont des personnes qui disent « on fonde, on crée notre lieu ». Très honnêtement, beaucoup dans les squats, dans les caves et dans les garages. Je ne dirais pas qu'il y ait une prophétie autoréalisatrice des deux premiers auteurs que j'ai cités, Schrage et Rogers, mais la précarité fait qu'on s'installe là où on peut, ou alors que philosophiquement, on s'installe là où les personnes en ont le plus besoin. Et puis il y a aussi les biolabs, un espèce d'hybridation entre les biohackerspace, qui ont leur implantation et leur revendication politique, et les Fab Labs, c'est le lieu de fabrication numérique qui commence à exploser en Europe de l'Ouest. Les startups, évidemment, des personnes qui se différencient, les communautés biopunk, que je vais illustrer par des projets, des pratiques et des exemples concrets, les anarchistes biologistes, évidemment, on les retrouve, les anarchistes, on les retrouve partout, y compris en biologie, les incubateurs à startups, les incubateurs d'État, les incubateurs de collectivités territoriales qui commencent à s'y intéresser, et puis, bah, évidemment, les places de marché. C'est-à-dire qu'il faut échanger du matériel, il faut échanger des personnes, il faut échanger des compétences. Donc se crée, notamment de manière numérique, via des sites web, des places d'échange de marché. Donc on passe d'un truc en moins de 30 ans, qui était déclaré par des personnes qui s'inquiétaient, qui était informel dans d'autres communautés qui hébergeaient, qui couvaient cela, en disant « faites votre truc, vous inquiétez pas, on s'occupe de prendre la charge politique, morale, juridique, administrative, financière », à 2010 où les personnes tentent de s'auto-organiser. Et dans cette auto-organisation, on voit déjà une diversification, parfois antagoniste, de manière politique ou économique, avec des personnes que je dirais de l'extrême droite à l'extrême gauche, et de l'extrême centre aussi. Et puis 2010 et 2022, où cette diversité se dote d'outils pour tenter de vivre et de continuer à travailler. Pour revenir à ce que je portais comme idée en prenant référence sur Laurence Allard, est-ce que dans le biopunk, le biohacking, la biologie à faire soi-même, il y a figure de modernité? Je rappelle deux grands traits de la figure de modernité, c'est la spécialisation et l'intellectualisation. Sur la spécialisation, la biologie, comme toute science, et je ferai une paraphrase de Husserl de l'école de Francfort, c'est qu'à partir du début du XXe siècle, les sciences se sont ultra spécialisées et ultra diversifiées, tant et si bien qu'il est aujourd'hui impossible de les dominer d'un même siège. Je fais une mauvaise paraphrase, mais en gros, c'est de dire plus personne ne peut régner sur les sciences. À la fois, c'est bien, mais ça porte d'autres risques d'ultra-spécialisation. En tout cas, dans la biologie actuelle, ça fait des années que j'essaye de compter, mais j'arrête parce que ça me file des boutons et une dépression. En gros, selon les sources, selon qui regarde, les anthropologues, les philosophes des sciences, les sociologues des sciences et des techniques, il y aurait, et je dis bien en conditionnel, 20 branches principales et 100 sous-branches, allant de la zoologie à la paléobiologie, à l'exobiologie, à la biologie génétique, c'est infini. Donc en gros, il y a une ultra-spécialisation. Est-ce que le hacking lui-même, qui préexistait au biohacking, et le biohacking font de l'ultra-spécialisation? Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un fait et une description arrêtée. Je pense plus qu'on tend vers quelque chose de transverse. Justement, parce que le fait de hacker ou de biohacker, qui se base sur la même philosophie, refuser les boîtes noires, les démonter, partager les connaissances, fait que, de manière quasiment continuelle, on va chercher les interstices, les angles morts, là où les choses ne sont pas regardées ou pas bien comprises. Soit pour montrer qu'il y a une faille, soit pour améliorer un système, soit pour l'amener différemment. Si je prends même appui sur l'énanormo, le fait d'être dans les marges, ben en fait on n'est pas à la marge au sens où on n'est pas à côté de la société, on est au centre de la société. Ce sont les marges qui poussent les normes de la société pour que la société se transforme ou évolue. Du coup, il y a une question qui reste en suspens et qui me semble importante à traiter, est-ce que hacking et biohacking, plutôt que d'être des ultra-spécialisations en dessous de la chaîne de spécialisation et des branches, ne sont pas plutôt des choses transverses? Personnellement, dans ma pratique, c'est ça. Je passe de la biologie médicale à la bio-ingénierie, à la paléobiologie, à l'enquête environnementale très régulièrement. Je n'ai pas le savoir très spécifique, j'ai des connaissances techniques, et j'observe les personnes autour de moi pour lesquelles c'est un peu le même parcours. Du coup, d'un côté, il y a très probablement une hyper-intellectualisation du biohacking, du hacking, du DIY, du biopunk. Mais en tout cas, sur la question de l'ultra-spécialisation, c'est pas forcément acté et tranché. Sur le fait d'être en transverse, ici, je vous mets en illustration un petit truc qu'on avait fait, une paillasse improvisée. En gros, on avait pris une table comme ça, qu'on avait bien nettoyée, on avait pseudo-stérilisée, dans le hall des expositions et des foires à Saint-Malo, en Bretagne Nord, lors d'un truc qui s'appelait, je sais plus quoi, Festival de Start-up, j'ai complètement oublié. Il y avait plein de personnes avec des ordinateurs qui voulaient vendre leur start-up, lever des fonds et vendre des stickers. Et ben nous, on s'est installés là pendant 2 jours, et pendant 2 jours, on a pris des cotons-tiges. On a tout acheté au supermarché à côté, hein. Sauf les boîtes de pétri, on les avait déjà. Il n'y avait pas de boîtes de pétri au supermarché. Et on a fait le tour des claviers informatiques en faisant des traits. Et pour chaque clavier informatique, on a fait des dépôts sur les boîtes de pétri. On a mis les boîtes de pétri en culture pour montrer que chaque clavier informatique, potentiellement, on ne va pas lancer l'analyse assez loin, notamment au niveau génétique, mais au niveau, tout du moins au niveau visuel et au niveau caractérisation des bactéries, des levures et des moisissures qui se développaient dessus, on pouvait dire que telle boîte de pétri est identifiée à un couple, telle personne, tel ordinateur. Donc en gros, que votre couple vivant non humain sur vous et votre machine non vivante fournit une trace aussi identifiable qu'une pièce d'identité. On était plein de startups de privacy autour de je sais pas quoi. Ils ont trouvé ça rigolo et joyeux, mais personne ne nous a pris au sérieux. Personne, on leur a quand même fait la démonstration en disant « voici ta boîte de pétri à ça, ça on sait que c'est tel ordinateur, on peut refaire le test à l'aveugle, c'est pareil. » Ça ne vous pose pas question en fait. Non, ça posait question à personne. Et là, on était vraiment sur la transversalité en disant ben, « certes, on maîtrise un peu de biologie, un peu de chimie, on a envie de faire la cuisine, surtout on maîtrise la convivialité, on a envie de le faire avec vous, le monde de l'informatique. » Et notre spécialisation ne vaut pas beaucoup. Et on pose des questions, entre guillemets, philosophiques, intellectuelles, mais en tout cas de droit commun. Sur l'intellectualisation dans le biohacking, bah, honnêtement, il y a plus que pléthore. Depuis 20 ans que je fréquente ce milieu et les milieux apparentés, je crois qu'il y a un manifesto, un manifeste par communauté. Il doit y avoir une publication scientifique sous pseudonyme par communauté. Donc là, je vous ai juste mis un extrait de certains textes bibliographiques, certains composants de corpus bibliographiques que j'aime bien. Vous verrez que le centrage du texte est volontairement choisi. Le Critical Engineering Manifesto en 2011. L'un des plus importants, qui me semble, c'est le Biopunk Manifesto de Meredith Peterson. Meredith Peterson qui, à l'époque... elle a toujours un double diplôme, parce qu'elle ne l'a pas brûlé, mais informatique et bioingénierie médicale, qui, au lieu de faire conférence officielle dans une grande université, dit « allez vous faire voir », et je reste poli. Et plutôt que de déclarer ses résultats, elle fait une déclaration, un manifeste, en disant « il y a non pas un risque, mais une réalité, le fait que la science citoyenne et ce que vous, vous appelez la petite science, est en train de mourir et perdre sa diversité, ce qui tue les libertés individuelles, et elle continue là-dessus et développe. Voilà. Donc c'est un texte très intéressant qui existe en 4 langues aujourd'hui, et qui a plus de 10 ans. Les Gynépunks, c'est une communauté qui a été centralisée principalement à Calafou, en Espagne, de personnes non-binaires, de personnes militantes féministes écologistes, personnes trans, qui ont plusieurs pages de déclarations de travail, qui ont travaillé sur la gynécologie à faire soi-même, le droit à l'enquête de son corps, notamment par refus des violences gynécologiques, obstétricales et médicales, et qui reprennent le concept de sorcière, qui est loin d'être nouveau. Il y a quand même eu un génocide en Europe de l'Ouest de sorcières sur plus de 2 siècles. Donc elles reprennent, elles retournent le stigmate, c'est un acte politique très fort, et l'un de leurs manifestes finit en disant en français « maintenant c'est nous qui avons la flamme, plus personne ne nous brûlera ». Et donc on revient un petit peu quelque part aussi là au Prométhée moderne et à la flamme et à la connaissance. Je ne vais pas faire trop de discrétion là-dessus. En français, il y a une thèse de Guillaume Bagnolini, une thèse à cheval entre philosophie et anthropologie, où il parle bien à la marge des sciences institutionnelles, et il s'interroge, ou en tout cas il fait un retour d'interrogation des personnes sur l'éthique et le mouvement du biohacking en France, qui, je l'avoue, est très petit et extrêmement minoritaire à l'échelle planétaire, mais au moins cette thèse a l'intérêt et le bonheur d'exister. Un essai, qui n'est pas vraiment une thèse, de Ilma Latino, qui est une personne transgenre qui a fini sa transition. Donc je mets en attention le fait de ne pas se tromper en citant le dead name, comme on dit, son nom précédent. Donc Biohacking Gender de Ilma Latino, qui me paraît extrêmement intéressant à lire. Il me semble que la traduction en français est publiée, même si le titre reste le même. Et puis là, je fais un peu de pub pour la maison, on est sur un fanzine qui s'appelle Mind the Gap, qui est un projet qui a 20 ans, mais le fanzine est publié depuis 2 ans, justement avec le réseau Acteria, où on a travaillé sur ce qu'on appelle de la biofabulation, et je vous l'expliquerai rapidement après, ou de la fiction spéculative tout en pratiquant la biologie. Mind en anglais, c'est prendre conscience, mettons le sujet sur la table, et The Gap, l'acronyme, c'est The Human Genome Alternative Project, où en gros, on reprend les bases de 20 ans en avant, du Human Genome Project, qui permettait de faire des grandes avancées sur la compréhension du génome en technique, en sciences, en traitement des maladies, en thérapie génique, et en disant, bah, en fait, aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé que c'est à nous-mêmes de critiquer les sciences et les techniques, les nôtres en tant que communauté hors des murs, mais aussi les vôtres en tant que communauté dans les murs de l'académie. J'ai bientôt fini de vous assommer de diapositives. En termes de pratique, pour essayer d'aller vers du concret, le biohacking, le biopunk, le do-it-yourself, c'est quoi concrètement? Où est-ce que ça touche? Alors je vous ai dit que la biologie avait un panel de pratiques assez gigantesque. À chaque fois qu'il y a une spécialisation, il y a une nouvelle spécialisation qui se crée. Quasiment à chaque fois qu'il y a une thèse, il y a une nouvelle spécialisation. Je vous en mets un extrait là de ceux que j'avais envie de vous mettre. C'est totalement non exhaustif et ce n'est pas une tablette ni une parole d'évangile. L'éducation populaire. Il me semble que c'est la première des choses qui nous préexistait et qu'on se doit entretenir. La réalité, c'est qu'aussi plusieurs personnes des communautés de biohacking, bien que certaines aient fui ou d'autres ne soient même jamais allées dans l'enseignement supérieur, nous nous retrouvons à donner des cours dans l'enseignement supérieur. Et je crois qu'il ne faut pas le nier. Je ne dis pas que c'est parfait, c'est un problème de précarité et d'autres choses, mais en tout cas, c'est la réalité. Il y a du hacking, c'est-à-dire le fait de démonter, de s'autoriser plein de choses, de franchir des règles, de publier sans les autorisations, de violer des copyrights, réellement, qui s'appliquent à la biologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de laboratoires de biologie qui font appel à des... J'ai plus assez de bras pour faire des grands guillemets, tellement les termes aujourd'hui sont galvaudés, mais hackers ou hackeuses. Notamment sur les appareils de séquençage, où il y a eu des grosses fuites de données au début de la pandémie sur les données des personnes qui avaient fait des prélèvements auxquels on a filé au laboratoire, on croyait que le laboratoire faisait l'analyse, mais non, il file à la voiture balai, qui donne à la maison régionale. La maison régionale s'est fait pirater, et dans le prélèvement, il y avait aussi l'étiquette qui s'est fait enregistrer dans une base de données informatique de votre nom, prénom, date de naissance, résus sanguin, passif médical, qui sont vos frères et vos sœurs, et voilà. Donc il y a du hacking informatique qui se passe dans l'univers de la biologie, à la jonction de l'informatique et de la biologie. Et du coup, là, on traite de droits fondamentaux, et notamment, et ça, il faut en parler avec vos médecins qui utilisent Gmail, Google et Doctolib, ou le futur qui est déjà en train d'être activé, Mon Espace Santé, et le nouveau nom qu'ils lui ont donné, dossier médical partagé. Oui, c'est le nouveau nom Espace Santé. Voilà, donc il y a une énorme jonction de tout balancer ce qui est de l'ordre de l'information biologique et médicale dans l'informatique et les bases de données, qui ne sont jamais autant sécures que jusqu'à ce qu'elles soient piratées. Bref, il y a collaboration entre les capacités offensives de hacking et le monde de la biologie. Il y a l'OpenWetWare, qui joue un rôle encore aujourd'hui difficile. Juste un sondage vite fait à la main levée. Combien de personnes ici dans la salle sont concernées? Soit vous avez le droit de ne pas répondre, et je comprendrai tout à fait, et c'est normal. Sont concernées directement ou à un degré d'écart dans vos relations familiales ou personnelles par le diabète? Le diabète est l'une des maladies chroniques qui tue le plus de personnes au monde. Alors, il n'y a pas un concours de quelle est la maladie, l'infection, et voilà, mais c'est loin d'être anodin. Et c'est très lié au problème de régulation du sucre, évidemment, et donc d'insuline dans le corps humain. L'insuline a beau être dans le domaine public, en termes de molécules, en fait, on n'utilise plus l'insuline du domaine public, on utilise de l'insuline transformée, produite par des industries dont le procédé de fabrication et dont même la formulation physico-chimique est brevetée. En France, on a encore des restes qui tiennent à peu près debout d'une sécurité sociale et donc qui permettent de lisser l'accès aux soins et aux médicaments pour beaucoup de personnes. Aux États-Unis, si vous avez un diabète, certains types de diabète, ça peut vous coûter jusqu'à 5 000 $ US par mois. Donc le fait de produire de l'insuline sous licence libre, et il y a un projet qui s'appelle Open Insuline, justement, qui est né aux États-Unis. Il y a, comme on dit dans le monde informatique, un fork qu'on tente à Rennes parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Voilà, c'est ça le côté concret de l'OpenWetWare. Si vous voulez faire un test HIV, un test de grossesse ou un test Covid, on les démontrera tout à l'heure en atelier, le matériel physique en lui-même, il n'est pas bien compliqué. En tout cas, on peut l'expliquer très vite et le reproduire assez vite soi-même, même avec du matériel de cuisine. Tout l'enjeu est sur ce qu'on appelle le wetware, c'est-à-dire les réactifs biochimiques, les réagents, les réactifs. Ceux-là sont un peu compliqués à produire, mais surtout, ils ne sont pas produits sous licence libre et ils sont revendus très très cher. Certains réactifs, pour faire des PCR tous les jours, et pas des PCR liés à la Covid, hein, mais certains réactifs, certains marqueurs, certaines amorces, leur prix a été multiplié par 300 depuis le début de la pandémie. Juste pour des raisons commerciales, pas pour des raisons de production ou de stockage ou truc. C'est des centrales qui centralisent la production, le stockage, qui attendent, et il n'y a pas de licence libre dessus. On parle du fait de travailler sur la biodiversité. Il y a encore un rapport du GIEC qui vient de sortir aujourd'hui, donc ça devrait être quelque chose d'important, sur la santé humaine, sur la détection de maladies. Enfin voilà, on a complètement tout marchandisé. Bref, le biopunk et le biohacking s'appliquent dans l'OpenWetWare et ces milieux-là. La biologie à faire soi-même, il me semble encore, et apparemment des vieux manuels continuent à le dire, qu'il est hors de question que toute personne soit interdite de pratiquer la biologie, d'observer les végétaux, de comprendre les insectes, de comprendre le fonctionnement du cœur humain, de comprendre les cours d'eau ou toute autre chose. Qu'est-ce qu'on fait également dans les personnes que je fréquente et de la bio-ingénierie, c'est-à-dire fabriquer des tissus vivants, je vais vous en montrer un exemple, et puis de la génétique, à la fois du séquençage comme de la modification génétique, avec toutes les questions qui vont mal et qui vont bien et qui font mal, c'est quoi un OGM, c'est pas quoi un OGM, est-ce que c'est bien de faire de la modification génétique, est-ce que c'est pas bien? Mais je préfère la poser avec vous autour de la table qu'avec trois pelés de tondu enfermés dans un labo juste à côté, même si je les aime bien, hein, mais quand même. La paléobiologie, c'est-à-dire comment on étudie ce qui s'est passé dans le vivant dans le passé, la santé, le soin, évidemment, l'investigation environnementale, j'en ai parlé, et puis les principes de biofabulation en français, biofabbing, ou fiction spéculative, c'est-à-dire plutôt que de faire comme fait Vinciane Despret, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez comme autrice, ou d'autres en tête... comme il s'appelle, Alain Damasio. Non, Damasio, pardon. On ne rigole pas. Voilà, notamment dans les furtifs, on m'explique souvent qu'il fait de la biologie de garage, j'ai jamais compris. Bref, j'adore la fiction et la remise en cause de nos sociétés ou de nos capacités de production par la fiction, mais je préfère encore plus le faire avec les mains occupées, en plus d'écrire le texte. Quitte à me dire, on va modifier du matériel génétique, moi je dis ok, mais on va le faire. C'est ce qu'on a fait avec Mind the Gap. Ah ok, vous voulez des bébés via la technique CRISPR de modification génétique, ok, on va commencer à faire des cellules, enfin des codes génétiques, on va les faire dans des plasmides. Qu'est-ce que ça fait vis-à-vis de nous-mêmes déjà? Nous-mêmes qui faisons de la fabulation, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable? Voilà. C'est ça la biofabulation, la fiction spéculative en pratiquant la biologie. C'est, quitte à interroger le rapport au concret, au vivant, au réel, à l'irréel, et aux possibles et aux impossibles, y compris à ceux qu'il faudrait fermer, pour parler d'écologie de la fermeture, qui commence à avoir un peu d'audience aujourd'hui, mettons-le en pratique, quoi, vraiment, et voyons ce que ça fait sur nous-mêmes. Donc voici des champs du biohacking, du biopunk et du do-it-yourself. Principalement, et là je vous mets en exemple une personne punk, queer, féministe que j'adore, qui est Vanessa Lorenzo, qui est artiste, biohackeuse, biopunk, qui fait pousser ses propres tissus. Donc, voilà, elle fait des codes génétiques, elle utilise des plasmides qu'elle modifie ou qu'elle réutilise pour faire pousser des tissus qui ressemblent ici à des feuilles de chou. Ces tissus ont la capacité notamment d'avoir des micro-tuyaux à l'intérieur, ce qu'on appelle de la microfusique, dans lesquels elle peut injecter des colorants ou d'autres sèves ou d'autres différents fluides pris sur l'humain, pris sur le non-humain. Et ça lui permet d'interroger le rapport de l'humaine et de l'humain au non-humain, la compatibilité de la peau à d'autres tissus, le rapport aux soins, le rapport à la monstration, qu'est-ce que je montre, mais quand je montre, est-ce que je suis monstre ou est-ce que je ne suis pas monstre? Voilà, et je répète qu'elle est punk parce que Elle reste dans la philosophie punk en appliquant la biologie, en disant, en codant génétiquement quasiment, no future. Le no future, c'était pas je refuse le futur, c'est personne à part nous n'écrit notre futur. Et pour que personne à part nous n'écrit notre futur, c'est que personne ne doit contrôler le présent et personne ne réécrit le passé. Voilà l'un des exemples de biopunk et de biohacking au niveau artistique, mais qui a aussi des applications dans le milieu médical et d'autres sciences, sociologie, infocom et d'autres. Voilà, et maintenant je vais passer à vos questions, parce que je vous ai bombardé de feuilles et de diapos, que je n'ai plus de salive, et qu'il est temps de parler de matériel libre et de biologie, ou de toute chose que vous avez envie de parler. Et en gros, je me lave pas les mains, mais je balaye très vite en disant « J'avais très envie de vous parler de matériel et de projet libre, autant que je vous ai parlé de contextualisation, d'historique, de qui a dit quoi, comment, à quoi c'est relié, de filiation. C'est bien gentil, mais j'ai déjà pris 40 minutes pour faire ça, plus, une demi-heure, pardon. Si je devais faire un inventaire de tous les projets, ou de ce qui existe encore, en biopunk, en biologie, en biohacking, en do-it-yourself, ben avec 17 ans de travail documenté, c'est un annuaire comme ça que je vous sors, et ce ne serait pas digeste, et je ne pense pas que ce soit le but de la soirée. Et en tout cas, moi, mon envie, c'était aussi et surtout de discuter et de dialoguer avec vous de manière conviviale et franche. Donc c'est maintenant que je lance les choses. Je peux continuer à guider, si vous voulez. Alors le « on » posé ou le « nous » auquel je pourrais répondre, il y a beaucoup trop de diversité pour que je puisse y répondre de manière générale. Il y a des projets, il y a de la reconnaissance institutionnelle par différents types d'institutions. Rien que le fait de se faire traiter de bioterroriste dès le départ, c'est une forme de reconnaissance. Si je vois le côté positif de l'idiotie. Mais en termes de recherche biologie, bio-ingénierie, génie génétique, écologie, participation, sciences citoyennes, oui. Il commence à y avoir de fortes, voire très fortes reconnaissances et participations. J'ai prévu un petit moment vers la fin pour parler justement de ces légitimités et des combats qui restent à faire. Donc oui, il en reste. Après, il y a aussi des personnes et des communautés qui font le choix de ne pas aller vers cette forme de reconnaissance. Des personnes et des communautés qui choisissent de manière perpétuelle de se remettre à la marge. Et je répète que je considère la marge comme étant quelque chose de central, en tout cas un réactif assez important dans la société mainstream, même si elle n'en a pas conscience, qui vient transformer cette société mainstream. Donc il y a un intérêt, je pense, stratégique et politique à être toujours dans cette marge, avec une forme d'invisibilité qui donne des conforts, parfois des protections. C'est une question qui est beaucoup posée de manière extrêmement concrète et pragmatique avec des personnes trans avec lesquelles je travaille. Par respect, je ne dirais pas où exactement géographiquement, mais qui viennent pour comprendre, explorer et cartographier jusqu'à un point médical et scientifique, leur microbiome et leur microbiote, notamment après une opération chirurgicale des organes génitaux. C'est quelque chose qui n'existe pas en recherche. Je crois qu'il y a un projet de recherche au centre de recherche interdisciplinaire à Paris, mais les personnes ne sont pas en confiance pour aller là-bas pour les raisons qui leur sont propres. Bref, là, il a été décidé, après longue discussion et donc un accord commun, que c'était bien de rester en dessous des radars pour protéger les personnes et pour éviter d'autres types de menaces et d'autres types de problèmes. Imaginer avec les imprimantes 3D Alors, les prothèses pour les situations de handicap ont aussi leur grande diversité. Je crois que vous avez reçu Amélie Théel dans le Festival des Journées des Libertés Numériques. Non? Léna Dormeau, c'est sûr, je croyais... bref, Amélie a fait une thèse là-dessus, une enquête sur les Fab Labs qui aident ou qui fabriquent des prothèses, des aides techniques, en fait, dans des situations de handicap. C'est très divers, c'est très varié. Pas toutes ont un lien avec la biologie, certaines. Si je me rapproche à ce qui est affiché là, c'est-à-dire matériel et biologie libre, et matériel libre donc, j'ai coutume de répéter et d'inviter à se poser la question de c'est quoi libre? Matériel libre, logiciel libre, et notamment prothèse libre. Si pour imprimer une prothèse libre d'une personne qui a une amputation partielle ou plus complète d'un membre, il faut une imprimante 3D, il faut Internet haut débit, il faut l'électricité de 120 volts, c'est pas libre pour moi. Il y a juste une licence libre sur le logiciel qui permet d'imprimer le truc, et sur l'imprimante, la personne, elle n'a pas accès forcément à une pharmacie, à de la bobine, à l'imprimante, elle n'a pas les moyens financiers. C'est l'une des questions qu'on se pose en travaillant, qu'on travaille, plus que se la poser, sur comment fabriquer des tests de grossesse sous licence libre. Il y a les questions de licence sur le wetware que j'ai évoqué, sur l'hardware, les licences existent déjà, mais l'accès à la matérialité conditionne la liberté. La liberté, elle n'est pas que sur la licence ou sur le droit administratif. Si la personne n'a pas accès à tout le matériel qu'on a utilisé pour faire un prototype, notre prototype, il est juste performatif. Et il n'est libre que pour les personnes privilégiées dans la situation dans laquelle le prototype a été fait. Donc je suis un peu... J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de travail en fait là-dessus. Mais c'est un sentiment personnel. Et qu'il y ait plus de collaboration aussi entre biologie, biopunk et fabrication de prothèses pour qu'on dépasse juste l'esthétique de l'objet. Alors il y a le côté DIY qui, voilà, mais c'est vachement validiste de dire fais-le toi-même, monte ton lieu et ta communauté. À Nantes par exemple, je sais qu'à Plateforme C, qui est un des lieux sur l'île de Nantes, maintenu et entretenu par l'association Ping, il y a eu un projet de biolab, je crois que c'est comme ça qu'il l'avait appelé, donc on peut considérer que c'est ça. Je ne suis pas sûr que ça a été maintenu, notamment par des personnes qui ont bougé, qui se sont déplacées, et voilà. Mais parfois, il suffit juste de taper à une porte et de dire bah, « j'ai envie de faire ça », et voilà. Sinon, il y en a un à Rennes, qui s'appelle Kawen Noz en breton, voilà. Il y en a de moins en moins en France, pour plein de raisons, ça me fait de la peine, mais oui, c'est possible. Je partagerai tout à l'heure des ressources cartographiques et numériques pour pouvoir se repérer et trouver des personnes, des lieux, des communautés pour pouvoir poser des questions et pour pouvoir dire « Tiens, j'ai envie de me poser la question, j'ai envie de faire ça, vous êtes dispo, ça vous va ou pas ?» Donc oui, il y a des lieux et des communautés pour le faire. On va dire que le biohacking est l'étiquette la plus large qu'on pourrait accoler. Qu'à l'intérieur du biohacking, et qu'au-dessus du biohacking, il y a encore une autre étiquette qui est la biologie participative. Mais si on redescend en biohacking, il y a le do-it-yourself, la biologie à faire soi-même, le biopunk, et puis d'autres. Il y a une diversité politique qui est telle qu'elle est très souvent antagoniste. Il y a des personnes qui sont pour un transhumanisme... avant de dire transhumaniste, il y a des personnes qui considèrent que nous, êtres humaines et êtres humains, ne sommes plus adaptés à la société parce que le capitalisme a atteint sa perfection et que la société fonctionne plus que parfaitement, et donc c'est nous qui sommes défectueuses et défectueux. Donc il faut nous réparer. En gros, nous sommes des machines, donc réparons-nous. Et le moyen de se réparer, c'est de faire de l'ingénierie du corps humain. Ça prend différentes formes dans le transhumanisme. Ça va dans certaines communautés où c'est très lié à la nourriture. Je vais manger tel régime alimentaire, machin, je vais m'astreindre à telle séance de spiritisme ou de sport. Et même à l'intérieur de ces communautés, il y a des diversités. Le transhumanisme là-dessus, notamment sous l'angle du biohacking, est très intéressant parce qu'il y a un autre transhumanisme qui, entre guillemets, serait plutôt extrême gauche, qui serait transhumaniste, transféministe. Je pense notamment au manifeste, et j'ai dit qu'il y avait beaucoup de manifestes et que c'est impossible de tous les citer, mais le xénoféminisme, qui est un manifeste, qui retourne le stigmate de l'aliénation par rapport à la connaissance et à la technique, qui se revendique, qui s'auto-revendique plutôt d'une gauche progressiste, et même qui déclare être antagoniste avec ce transhumanisme réparateur. Il y a quand même des liens et des ponts. Donc il y a une diversité politique qui n'est pas conciliable. Très honnêtement, faire discuter la start-up qui te propose un kit pour faire des prélèvements des selles de quand on fait caca pour pouvoir séquencer ton génome pour savoir si tu auras un cancer dans 50 ans, n'est pas conciliable avec les gynépunks que j'ai évoqués tout à l'heure. Et ce n'est pas un problème technique ou scientifique, c'est réellement un problème de positionnement politique. Mais du coup, dans les groupes que vous avez fréquentés, c'était des décisions qui étaient collégiales, chacun pouvait donner son avis, avoir ses penchants dans chaque... Alors, si vous parlez de moi, j'aurais forcément tendance à aller là où je me sens bien. Elles sont tout le temps là. Oui, bah oui, toujours. Mais qu'il doit y avoir, justement, comme vous dites, avec le positionnement politique, aussi des divergences dans le rapport, j'en sais rien, là je parle pour une chose que je ne maîtrise pas du tout, mais j'en sais rien, le rapport aux animaux, faire des expériences sur les animaux, enfin, est-ce que c'est des choses qui sont définies dans le groupe que vous avez côtoyé de façon claire, en disant ça, notre groupe, c'est hors de question? Ou est-ce que c'est quelque chose de tacite et qui va juste être rassemblé autour d'une valeur commune? Je pense que c'est clair. Il y a des groupes qui ont des tabous, parce que je pense que c'est ça que vous exprimez, ouais. qui vont dire ça, c'est arrêté comme ça et donc on n'en parle plus, la règle est ainsi et point barre. Donc là, on est sur des tabous. Et il n'y a pas que des groupes de biopunk, hein. il y a beaucoup d'autres groupes plus formels dans la société qui ont ce genre de tabous. Je préfère quand il y a des discussions et qu'elles soient continuelles. Mais voilà, c'est des biais et des envies ou des désirs et des conforts personnels, donc c'est comme ça. Donc j'ai plutôt tendance à aller dans les groupes où la discussion se fait de manière continuelle et répétée, avec une remise en cause. Juste pour essayer de comprendre comment est-ce que ces groupes s'articulent les uns vis-à-vis des autres. Il y en a qui ne se parlent pas directement. Le dialogue se fait de manière indirecte, juste parce qu'il y a une forme d'étiquette ou de pratique communautaire qui s'apparente, mais il n'y a pas de dialogue direct. Il n'y a pas de dialogue direct, ou en tout cas très très rare, entre, justement, ça me permet de faire la transition, entre le projet open source Ostrogène et les startups américaines qui font du test génétique récréatif. Il n'y a pas de dialogue direct, il n'y a pas de rencontre possible physique. Et les questions sont abordées très différemment. Le projet open source Estrogène, qui existe depuis 2008 avec Marie Magic, était justement de mettre son énergie et la compétence communautaire, la compétence technique et scientifique pour produire de l'ostrogène sous licence libre, pour les personnes qui en ont besoin pour différents types de maladies ou différents types de dérèglements, ou pour des personnes qui veulent faire la transition. Et derrière, il y a tout un travail philosophique et politique de dire qu'en fait, notamment dans une société patriarcale et capitaliste, l'oestrogène est une biomolécule de biopouvoir. Et elle n'invente rien, en fait. Hein. Elle reprend des grands courants philosophiques, sociologiques et anthropologiques de travail et de pensée. Par contre, elle se positionne très clairement dans un angle, dans un coin, où elle ne va pas rentrer en dialogue avec tout le monde. Et après, il y a des projets qui sont plus ou moins communautaires, il y a des projets qui sont plus ou moins individuels. Oui, c'était justement pour essayer de comprendre, est-ce qu'il y a des terrains neutres, est-ce qu'il y a des zones d'échange neutres, comme des festivals? Seule la priori que je pourrais avoir, c'est un festival aux États-Unis où il y a vraiment du hacker qui se rassemble et qui testent des trucs de tous les côtés. Le SXSW, le South by Southwest, je le dirais pas très neutre. Notamment pour y être allé. Oui, est-ce que c'est des choses qui sont partisanes d'une certaine forme de biohacking et de biopunk? Alors, le South by Southwest a toujours, même si au début la promesse était justement une zone de rencontre, et je dirais pas neutre, mais paisible. Je dis pas neutre parce que les zones neutres, c'est un terme très connoté et très fort, notamment en zone de conflit militaire. C'est là où les deux parties ne se tapent pas sur la tronche officiellement et on fourgue toutes les réfugiés. Donc c'est pas cool d'être dans une zone neutre, en fait, c'est une existence de non-droit, de droit humain, ou presque. D'où ma petite discrétion. Voilà. Mais une zone pacifiée, ouais, le South by Southwest tenait cette promesse, ni de gauche ni de droite, mais très Elon Musk. Voilà. Et donc c'était, c'est toujours ça, le South by Southwest. Il y a des événements qui sont en France qui rassemblent, pas du coup de façon neutre, mais de façon... Oui, il y en a eu, il y en aura encore. Il y a de l'épuisement, de la fatigue, il y a des changements de nom, il y a des changements de mouvement, donc ouais. J'avais pas pensé à faire une bibliographie ou une cartographie des événements. J'ai pensé aux références intellectuelles et bibliographiques, aux cartographies, aux communautés, mais oui. Oui. Entre France et Belgique, il y a le Trans-Hack Exploration, le THX. Il y avait le Trans-Hack féministe, je ne sais pas s'il aura encore lieu, mais qui a duré une bonne décennie. Voilà. Il y a les cycles aussi, hein, de festivals et de mouvements. Voilà. Donc oui, il y a des zones de rencontre plus ou moins neutres ou plus ou moins ancrées politiquement. Ça répond en partie à la question. Et donc ça permet de faire la transition, voilà, sur un des projets de matériel libre que j'aime beaucoup parce qu'il faut que je sélectionne dans les milliers et les millions, open source oestrogène, donc produire de l'oestrogène. J'ai évoqué open insuline, produire de l'insuline, ça a des conséquences concrètes sur la vie de chaque individu. Sur le rapport qu'on peut avoir à l'autre, sur l'altérité, aussi sur l'écologie, parce que c'est plus des usines, c'est produire dans sa cuisine en fait. Et du coup, il y a un rapport aux matériaux, à la chaîne de production, à la logistique qui est très différent. Et donc là, le texte est extrait de la conférence qu'avait fait Marie Magic au CCC, qui est un événement annuel en fin d'année de hacking au sens large, et dans lequel on retrouve un peu de biohacking qui se déroule en Allemagne. Et ça, c'était son texte d'introduction. Donc je ne vous ferai pas toute la traduction, mais en gros, c'est une affirmation politique, scientifique et technique d'un ancrage de partage de la connaissance et des savoirs, et du fait qu'on hérite, y compris dans nos corps humains, de molécules dont on n'a pas décidé, mais des personnes ont décidé que ces molécules-là avaient un rôle politique. Et donc, rien que le fait de penser et de s'engager collectivement à les produire soi-même amène à des configurations sociales, collectives, et donc des choix politiques très différents. C'est l'illustration de Marie Magic à la fameuse conférence CCC 34C3 CCC en 2017, où elle remonte notamment à l'organothérapie en 1800, comme quoi je ne suis pas le seul à vouloir aller piocher très très loin les origines possibles des biopunks et des biohackers et des biohackeuses. Pour la question cartographique qui a été posée, et qui pose les questions de légitimité pour rejoindre ce qui était demandé tout à l'heure, Je pense qu'en termes de légitimité de nombre et de temps de vie, si ça n'a pas disparu depuis 35 ans, c'est qu'il y a quand même quelque chose. En termes de nombre, alors là on ne voit pas parce que j'ai dézoomé la carte, mais vous pouvez le voir sur le site sphere.diybio.org. Voilà, c'est un site qui est ce qui référence de manière neutre. Start-up, collectif, enfin toute personne peut s'inscrire au tout collectif. C'est de l'auto-déclaration et de l'auto-étiquetage. C'est pour ça qu'il y a certaines zones du globe qui ne sont pas édictées, par les problèmes d'autodéclaration, par les problèmes de connexion Internet, par les problèmes de censure aussi. Bref, on voit bien que l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord sont surchargées, sont surreprésentées, mais au moins ça donne un indicatif de quelque chose, et ça existe depuis 17 ans maintenant, donc ça au moins ce mérite-là. Et donc en termes de quantité et de diversité, il y a une légitimité. En termes de participation, que ce soit au secteur marchand, que ce soit au secteur universitaire, que ce soit au secteur éducation populaire, que ce soit des fois les trois en même temps, parce qu'il ne faut pas être non plus trop cloisonné, ben en fait, il y a beaucoup de preuves, de traces. Au niveau des écrits scientifiques, ce qui se passe, c'est que apparemment, c'est plus les philosophes qui s'intéressent au mouvement biohacking, DIY bio et ces choses-là, que des socio-anthropologues, même si ça commence. Que les publications dites de sciences dures, même si je déteste cet étiquetage, sont faites où les personnes se dépseudonymisent, je vais y arriver, c'est bon. En gros, font du biohacking et du biopunk sous pseudonyme, ce qui permet plus de liberté et de confort, et ce qui va dans une cohérence politique, mais qu'à un moment, quand il faut publier dans une revue scientifique, il faut mettre son nom et son prénom, malheureusement. Et donc, il y a peu de publications dans des revues reconnues comme valables scientifiquement en termes de biopunk, biohacking, voilà. On retourne sur du formel, en fait. Il y a une espèce de... Je ne veux pas pathologiser, mais ce serait intéressant d'interroger une dichotomie ou une forme de schizophrénie là-dessus, sans pathologiser quand même. Et donc, ça pose la question de l'organisation politique. Est-ce que c'est juste des tâches de communauté, pour revenir à ce que je disais au début, entre tâches et détachement, chacun et chacune dans son coin, est-ce qu'on se parle, est-ce qu'on ne se parle pas, est-ce qu'il y a une organisation collective plus large qui se fait, transfrontalière, est-ce qu'il y a une représentativité? C'est des vraies questions qui ne sont pas... J'aime bien, je répète, hein, qu'elles soient traitées tous les jours, mais de temps en temps d'avoir des petites victoires là-dessus, ce serait bien quand même. Poser des questions, sinon je vais être obligé d'aller vers la conclusion. Moi, ça me fait penser à un parallèle avec le logiciel libre. L'IT, c'est Gustave Pal qui a créé Linux, qui est là-bas, et voilà. Et les communautés de logiciels libres, c'est pareil, elles donnent tout leur code. Il est accessible partout. Moi, je sais que je m'en sers en photo, je travaille que sur des logiciels libres. Après, je ne suis pas du tout codeur, mais par contre, j'interagis avec eux en leur disant j'aimerais bien ça, est-ce que c'est possible, c'est pas possible. Et voilà, ça me faisait penser à ce parallèle. Quelqu'un vous a payé pour faire cette transition? Ah, non. Ça tombe pile poil dans, justement, la virgule combat. Non, il y a oui, je répète, hein, le... Alors, j'inviterai à plus de prudence sur le fait de... Le copyright n'est pas sur la tomate, ni sur les graines. C'est un peu plus spécifique pour utiliser du langage technicien. Il y a des règles ONU, UNESCO, françaises, européennes, qui normalement protègent, je dis bien normalement, d'accord, le brevetage du vivant. Ensuite, il faut mettre le curseur sur qu'est-ce qui est du vivant et pas du vivant. Ensuite, il y a les avantages marchands. Par exemple, il y a des scandales sur des brevetages de semences hors de l'Europe. C'était très bien d'aller breveter des semences dont on avait envie de s'emparer pour faire de la pharmaco et de la médecine en Amérique du Sud. Voilà. La réalité, c'est que ce qui est souvent breveté, c'est la technique de modification. Donc il faudrait pointer laquelle. C'est rarement la tomate ou la semence. Où c'est une certaine modification en dessous de ce qui est considéré du vivant. Donc on est plutôt, par exemple, sur de la protéine, c'est-à-dire l'expression d'un code génétique, mais ce n'est pas le code génétique qui serait breveté. Enfin, c'est toujours très touchy. Et j'invite à beaucoup de prudence et surtout d'être plus précis là-dessus. Mais oui, c'est très très chiant parce que ça devient systématiquement bloquant. Ouais. J'ai pas toute la connaissance là-dessus, mais... J'ai des parents qui cultivent, et voilà, quand ils sont obligés de travailler illégalement. Donc, c'est formidable. Après, c'est réellement des agencements très compliqués sur plusieurs étages, notamment administratifs, juridiques, légaux, de biosécurité aussi. Des fois qui sont très abscons, hein, je suis d'accord, de dire vous n'utilisez pas telle graine parce qu'elle va s'hybrider avec d'autres et du coup contaminer, mais celle-là, on sait très bien que c'est la méga parcelle qui fournit tout le monde et du coup c'est de la sécurité alimentaire aussi. C'est loin d'être tranché et binaire. Mais par contre, sur la question des copies privées et de la propriété industrielle sur ce qu'on a le droit d'utiliser est extrêmement lourde et importante. Et il y a 20 ans, on parlait de culture libre, ensuite de logiciel libre, enfin c'était très lié. Le biohacking, le biopunk est lié et a grandi avec ça et se développe avec ça. C'est très bien, mais c'est des questions qui ne sont pas encore assez intéressées. Il y a, le week-end dernier, il y avait à Lyon les journées nationales du libre éducatif dans le cadre des journées nationales du logiciel libre, qui est un événement francophone de grosse importance. Il y avait tous des grands pontes du ministère et des grandes entreprises. Pour les journées du libre éducatif, il n'a été question que de documents, papier et numérique, que de logiciels, et qu'un tout petit peu de bases de données. Tout le reste de l'éducation, physique, chimie, biologie, photos, vidéos, complètement oublié. Il y a un trope, un focus sur le logiciel lui-même qui me paraît dramatique, qui fait partie des combats dans le biohacking et le biopunk. Je suis moi-même codeur en logiciel libre, mais à coup de pas. Mais j'essaye souvent et encore merci d'accueillir justement dans un festival qui s'appelle Liberté numérique, de venir et d'encourager les personnes à squatter et de dire mais c'est avec ces personnes-là qu'il faut qu'on discute. Dans le monde de l'informatique, au sens large, logiciel et hardware, le logiciel libre est mainstream. Certes, il y a Windows, Apple, qui fait beaucoup de bruit, qui vend beaucoup de trucs, mais la réalité, c'est que la plupart des machines tournent sur le logiciel libre, ou alors Windows et Apple soit contribuent, enfin bouffent, soit copient du logiciel libre. Dans le monde de la biologie, c'est l'inverse. La biologie libre, on est inexistante et inexistant. Donc, depuis 20 ans, je me dis, tiens, en allant discuter avec les copains et les copines du logiciel libre, ça va bien prendre. Mais non, je ne sais pas. Je ne trouve pas la raison pour le fait que ça ne prend pas vraiment. Il n'y a pas un engrenage qui se fait. On pourrait faire la comparaison quand même. Le logiciel libre, oui, il est très utilisé, mais par des informaticiens. Par exemple, nous, à l'université, par exemple, tout ce qui est serveur et tout, c'est du libre, c'est sous Linux. Tous les utilisateurs, c'est Windows et Mac. Et donc il y a ça, il y a ce côté où les serveurs sont gérés par des informaticiens qui voilà, vont travailler avec du Linux, mais après tous les utilisateurs, ils sont tous enchaînés parce qu'ils ont été formés à la suite Adobe, ou ils ont été formés sur Mac, et puis voilà. Il y a réellement un problème d'éducation et de culture. Moi, je suis toujours très étonné de croiser des profs de biologie, notamment au collège-lycée, qui ne se posent pas la question du matériel qu'ils utilisent. dans de rares cas les cours. Et déjà, je me fais engueuler en disant, mais vous pourriez mettre vos PDF que vous partagez en ligne sous licensible. Réellement, je prends des... Ça ne me donne pas envie d'y retourner. Et quand j'ai des ateliers avec ces personnes et que je leur dis, mais les réactifs que vous utilisez, là, le matériel biologique que vous produisez, vous avez pensé à la licence? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tué leur chat ou leur chien, quoi. Enfin, non, mais vraiment, c'est... Il y a quelque chose de culturel qui s'est installé par habitude. Je pense que le combat est là. C'est pour ça que je parlais de transition. Pour moi, le combat n'est pas technique et scientifique, bien que quelque part, il se joue là. Il est culturel, et c'est pour ça que je reprends le RIP Remix Manifesto, qui date de 2008, qui a été créé par un collectif qui déclarait que la culture s'appuie toujours sur le passé. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps tout à l'heure pour vous parler du passé, des origines et des filiations. Le passé essaye toujours de contrôler l'avenir. Notre avenir est de moins en moins libre. Ça, je vous laisse juge. Et pour construire des sociétés libres, il nous faut limiter le contrôle du passé. Et donc, il y avait un reporter, Brett Gaylor, un artiste, Greg Willis, aka Girl Talk, DJ, qui fait du remix, qui venait d'une formation de bio-ingénierie médicale, d'ailleurs, et qui apparemment, de la manière dont il s'exprime, voyait les bouts de morceaux de musique. Pour lui, dans sa tête, ça faisait comme des bouts de code génétique et de protéines, donc c'était facile à remixer et à rassembler, c'est assez marrant. Et Laurence Lessig, qui est un juriste très connu et qui passe par le MIT aussi sur ce qu'on appelle les licences copyleft, dont notamment toutes les diapos ici seront sous copyleft, et la retranscription écrite également. Voilà pour une synthèse... assez large. Les combats sont grands. Les combats, malheureusement, enfin pas malheureusement, je fais exprès de finir avec la citation de 3 hommes, alors que tout du long, j'ai essayé au début de faire attention. Je savais très bien qu'il y avait beaucoup d'hommes au début, parce que les sciences et les techniques dont nous héritons, les manuels, les histoires, les enseignements sont faits d'hommes, parce que jusqu'à encore aujourd'hui, c'est principalement des hommes blancs qui sont cités, qui sont écrits, qui sont pris en référence. J'ai réussi à glisser dedans Laurence Allard, retenez bien son nom, Marie Shelley, qu'il faut absolument relire et remettre sur le devant de la scène parce qu'elle était bien plus novatrice que Alain Damasio. Pardon, je suis un peu taquin. J'ai passé un peu vite sur... parce qu'on a discuté d'autres choses, mais sur les écologies et les épistémologies féministes, mais j'ai cité Vinciane Despret aussi. On pourrait me reprocher de citer beaucoup de sociologues, de philosophes, alors qu'on parle de biologie, de technique et d'ingénierie. En fait, comme ce sont les épistémologies féministes qui nous apprennent et qui nous disent de parler depuis le point de... enfin, de déclarer le point de vue depuis lequel on parle, et ensuite de déplier avec l'autre, c'est-à-dire autrui en face, ce que ça fait sur autrui, je pense qu'avant de penser concevoir des médicaments, des études sur les évolutions du climat, des systèmes punk qui refusent de se faire écrire leur avenir par des personnes dominantes qui ne mettent pas les mains dans le cambouis, il est bien de commencer par une épistémologie féministe. Voici la liste pour votre bibliographie. S'il vous plaît, faites des questions. Ah, je pense que Vinciane Despret est philosophe, ou les Fumi Taiwo, qui n'est pas une femme, qui est un homme, mais racisé du panafricanisme, est philosophe. Est-ce que Colette Guillemin est philosophe ou sociologue? Voilà, déjà. Edmund Husserl est philosophe, ça c'est sûr. Habermas est un sociologue qui, comme beaucoup, a fini en fin de carrière philosophe. Marie Magic, dans laquelle j'ai présenté son projet Open Oestrogen, est une excellente scientifique et bio-ingénieure, mais qui a une grande capacité de philosophie. Si on a le droit de faire de la biologie à faire soi-même et de la biologie punk, peut-être qu'on a le droit de faire de la philosophie à faire soi-même, mais de la philosophie punk, notamment quand on a les mains occupées. Pour anecdote, je passe beaucoup de temps dans les cafés parce que je trouve que ce sont des lieux de socialité remarquables et extraordinaires. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu des personnes quasiment en venir aux mains sur les questions de... Bon, il y avait de l'alcool, c'est sûr, elles avaient bu, ça j'en suis certain, mais de vaccins, de pandémies, de contaminations. Et moi, je venais, parce que c'est un café, puis j'avais envie de travailler et de lire, et j'ai utilisé un subterfuge, et plutôt qu'à se taper dessus, j'ai sorti les sous-bocs. Ah, mince, j'ai laissé dans l'autre salle. Bon. Les sous-bocs, vous voyez ce qui se met, voilà, les trucs qui se mettent sous les verres et les bières. Mais les carrés, puis je leur ai dit, bah, si vous voulez, vous parlez de vaccins, d'ARN, ça se reproduit, enfin, je comprends rien à ce que vous dites, en plus. Si vous voulez, on les dessine, et le puzzle, on le fait ensemble. Au début, elle m'a regardé, mais il est un peu... Pas bien celui-là. Qu'est-ce qui nous fait chier? On est en train de boire du vin blanc. Et bien, au fur et à mesure, le fait de leur lancer le défi de faire un puzzle d'ADN à partir de sous-bocs et de fils et de trucs, ben, elles s'y sont prises. Mais du coup, elles avaient les mains occupées, elles se sont apaisées et elles ont trouvé, entre guillemets, une interstice, un médium de dialogue différent. Et surtout, il y avait de la connaissance qui pouvait rentrer. Parce qu'on pouvait parler différemment. Je leur ai dit, surtout, il faut tricher, allez piquer sur Wikipédia, allez piquer sur YouTube. De la connaissance, regardez c'est quoi une chaîne d'ADN, c'est quoi des acides nucléiques, c'est quoi CTAGC, et elles l'ont fait pendant 2 heures. Moi j'étais tranquille, j'ai pu bosser, lire et écrire, c'est génial. Mais voilà, j'aime bien les lieux de sociabilité et tout ça. Et ceci, ouais, j'ai oublié, je sais pas pourquoi. Voilà, en termes de biopunk et de frugalité. Donc c'est un sous-boc de bar. Ceci est un bouton d'une chemise que je ne portais pas, une chemise qui était à la poubelle. Et ceci est une centrifugeuse. Véridique. Alors, je n'ai pas inventé, hein. C'est un jeu qui date depuis de 3000 ans. C'est whirligig en anglais, en gros les ventilateurs. Et en gros, avec ça, je peux centrifuger vos urines, vos prélèvements sanguins, avant de faire une PCR ou du thermocyclage, ou même des fois, je n'ai pas besoin. Si c'est du sanguin, on peut déjà faire un diagnostic ou participer au diagnostic de détection de malaria. Une centrifugeuse médicale, ça commence à 1 500 € et vous pouvez rajouter des fois 3 € derrière, enfin 3 € derrière. Là, c'est 0 €. En termes de force physique, on obtient la même chose en termes de tours minutes et de G appliqué à la force centrifuge. Voilà. Des fois, on arrive à des trucs juste rigolos à fabriquer soi-même. Ça reste à améliorer, bien évidemment, mais... Celui-ci? Oui, c'est même utilisé dans les programmes de l'OMS des Nations Unies, notamment au Sud-Sahara. Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la matérialité, de dire j'ai produit un super truc sur licence libre, mais si tout l'acheminement du matériel est dépendant de productions très lointaines et centralisées, ben en fait les personnes sur le terrain n'y ont pas accès. Ou alors elles y ont accès à des conditions de privilège qu'elles ne peuvent pas se permettre, ou d'urgence ou de temporalité. Donc de toujours essayer de remettre ça en cause et de le garder en tête à chaque fois qu'on prototype ou qu'on fait de la recherche qui n'est pas de l'ingénierie mais de la recherche scientifique aussi. L'intérêt de la recherche scientifique, au départ, c'était d'être reproductible, justement pour être comparable et discutable, notamment sur les résultats. À force d'ultra-spécialisation, on arrive parfois à des choses un peu aberrantes où le programme de recherche scientifique n'est reproductible que dans le labo et les conditions dans lesquelles il a été fait et pas ailleurs. Donc, oui, plus, moins prosaïquement, oui, c'est utilisé sur le terrain, notamment pour des diagnostics médicaux dans des zones désertiques et semi-désertiques. Un bout de carton, de la ficelle et un peu de calcul. Alors, où sont mes microtubes? Je les avais là, hein. Promis, celui-là est trop gros. Donc en gros, j'ai 2 microtubes comme ça, ou plus, ou 4, ou plus petits, parce que ceux-là font 2 millilitres, et je peux descendre, je peux diviser par 10 en fait, et en taille. Et donc, on en met un ici, un là, à l'identique, en miroir, plus ici, donc en gros, on peut en mettre 8. Et en fait, à chaque fois que ça tourne, ça fait une force centrifuge, et là, par la centrifugation, ça permet de séparer différents composants à l'intérieur d'un même liquide. c'est issu notamment d'un moment en 2020, ouais, c'est ça, c'était septembre 2020, on était en confinement en France, je crois, je ne sais plus, où un labo de bioingénierie à Stanford a ouvert l'un de ses cours à des personnes non inscrites à Stanford. Et j'ai eu le plaisir de participer à ce cours, en disant très clairement et volontairement, je suis biopunk, je m'en fous, j'ai pas de diplôme, je veux pas vous donner de diplôme. J'étais un peu plus poli quand même, l'intention était comme ça. Et la réception était, mais ouais, c'est génial, c'est ça qu'on veut, c'est pour ça qu'on ouvre ce type de cours, pour le fait que des personnes privilégiées qui sont en master bio-ingénierie ou en doctorat bio-ingénierie à Stanford puissent travailler, collaborer et tisser des relations avec des personnes dont on ne juge de rien, mais qui ont envie et la motivation, et peut-être même qui ont des compétences et des savoirs équivalents. Et du coup, c'est un peu, de tutoyer, mais t'as quoi comme formation, universitaire en fait ? J'ai une relation amour-vache à l'université, notamment l'université française. Je l'aime beaucoup, mais elle m'épuise vite, alors je fuis et puis je reviens de manière opportuniste. Au début des années 2000, dans les exemples que j'évoquais, je fréquentais les bancs de la fac de biologie. J'ai arrêté, je suis allé bosser, j'ai fait de l'ingénierie et un peu de biologie environnementale. Et au bout d'un moment, j'ai repris mes études à distance parce qu'on a un système d'études à distance qui n'est pas trop mal, même s'il se casse un peu la figure, qui s'appelle le CNED. Voilà, qui m'a permis de re-rentrer à l'université, d'aller taper à la porte du doctorat. Et une personne avisée m'a dit « Ne va pas jusqu'à la soutenance de ta thèse, tu vas finir dépressif. » Ça, ce conseil ne vaut que pour moi. Si vous avez envie de faire une thèse, faites-la. Voilà. Mais je pense que la personne avait raison et m'a notamment conseillé d'aller dans les hackerspace. Et je n'en suis pas sorti. Il y a des personnes qui vont dans les hackerspace qui font des thèses aussi. Ça rejoint la question du combat. Je pense que pour les personnes qui ont déjà franchi ce pas-là, et pour la plupart, et notamment pour les personnes pionnières, sont passées par un parcours universitaire plus ou moins prolongé, ou en tout cas très proche, il faut faire sauter ce plafond de verre, qui est très récent en fait, de comment et pourquoi je m'autorise à. Ce qui est la philosophie du hacking. C'est s'autoriser, se rendre légitime à faire les choses. Ce qui est la philosophie du punk. La musique punk, c'est oh, les gens font de la musique, c'est trop bien, je ne sais pas faire de la musique. Littéralement, c'était fuck off, c'est je fabrique même jusqu'à mon instrument, je m'en fous qu'il soit accordé et qu'il fasse quelque chose, c'est juste j'apprends et je prends plaisir. Et si à un moment ça fait une harmonie, une symphonie, tant mieux. Si ça n'en fait pas, c'est pas grave. Mais au moins, je prends plaisir et j'apprends. Et ça fait partie des combats. D'amener les personnes à dire je ne suis pas obligé de chercher sans arrêt une reconnaissance d'une institution ou un résultat probant à. S'il y en a, tant mieux, et autant le célébrer. S'il n'y en a pas, c'est pas... Il ne faut pas vivre avec une épée de Damoclès sur la tête. En tout cas, pas avec ça, je crois. Ce serait... Enfin, non, ce ne serait pas compliqué. C'est compliqué pour les personnes qui font de la recherche universitaire aujourd'hui de vivre avec une épée de Damoclès sur la tête. Ne faisons pas peser cette épée de Damoclès sur les personnes qui ne sont pas universitaires. Là, je fais beaucoup plus de la recommandation que de la description par rapport au début. Et là, par exemple, le cas de projet oestrogène, c'est quelque chose qui existe, Alors, le projet Open Source Estrogène a existé de 2007 à 2011. Marie Magic a arrêté pour souffler, parce que c'est porter une montagne à bout de bras, parce que peu de contributions, beaucoup de déceptions, notamment du monde, enfin, par rapport aux attentes que elle et d'autres dont je fais partie attendaient du monde du logiciel libre et de l'hardware libre, en se disant waouh, c'est des super grosses communautés, ils ont des influences sur la planète, ils sont écoutés par les parlements, par les trucs, filez-nous un coup de main. Et il n'y a pas eu grand-chose, en fait. C'est un peu... pour le projet Open Source Estrogène, on va dire, c'est mis en stand-by, et c'est légitime. Après, tout a vraiment été fait pour que d'autres personnes puissent le reprendre, notamment par la documentation et par l'application de licence libre. Ça repartira. Et si ça aboutit, comment faire, par quels moyens informer la population et faire bénéficier de cette avancée? Oula. Alors, il y a une étape avant ça qui est majeure, c'est la certification par rapport aux normes de sécurité. C'est pas le tout d'avoir un truc qui fonctionne en labo, in vitro ou testé. Notamment sur tout ce qui est médicamenteux, médical, il n'y a pas que de la biologie là. Il y a la pratique de la médecine ou de l'inoculation médicamenteuse ou de la pharmaco. Donc c'est vachement cadré et certainement tant mieux, ça évite l'empoisonnement et pire. Donc il faut franchir ces étapes, déjà. Ces hormones, l'hormone en elle-même n'a pas de licence libre, en fait. Elle n'est pas copiable. Donc, ouais, c'est l'une des questions. Il y a deux grands projets comme ça, connus dans la micro-niche dans laquelle nous sommes. C'est Open Source Estrogène et Open Insuline, qui sont notamment phares parce que ça touche à l'économie, mais ça touche aux soins, à la santé, à la médecine, au corps humain, à l'intimité. Aux normes, aux réglementations, et c'est pas le tout de faire de la super-ingénierie, de la super-science. Il y a un moment, il va falloir se confronter aux règles politiques, administratives et sécurité du marché. Et là, il n'y a pas les lobbies qui vont réagir? Tant que c'est pas fait, je peux pas répondre, mais... Oh, il n'y a pas que la médecine, il ne faut pas... Pour avoir travaillé pendant des années sur du latex à base de sève de pissenlit, le monde du plastique et du pneu est peut-être au moins autant, si ce n'est plus, chasse gardée que le médicament. Voilà. À partir du moment où vous faites des choses différentes, il y a des rapports qui se font avec... les institutions en place, qu'elles soient privées ou publiques, qui varient en fonction de l'étape de maturité de ce que vous faites. Au début, vous êtes invisible, c'est pas grave, au bout d'un moment, vous chatouillez, on va bien discuter avec vous, on va essayer d'apprendre. Wow, vous faites des trucs en frugalité, apprenez-nous comment on va faire moins cher, plus écologique. Bon. Et puis, quand vous commencez à arriver à un certain niveau de maturité ou de performance technique, on ne discute plus avec vous, on copie. Où on repousse, où on sort les armes juridiques, notamment de licence, de copyright, de copie industrielle. Il y a eu le même problème avec l'euro. Enfin, l'euro, c'est des fichiers bruts, des appareils photo numériques. Et chaque fabricant d'appareil a son propre fichier. Il n'est pas ouvert, il est complètement fermé. Et il y a eu un projet d'OpenRAW. Donc de faire un groupe libre que tout le monde puisse utiliser. Et voilà, ça a apporté au moment où ils arrivaient au pouvoir. Une dernière image d'illustration, avant de passer à au moins une pause. Alors je suis désolé, on a beaucoup débordé sur le temps. On va réduire sur l'atelier, mais... Voilà, un fameux autotest antigénique Covid. Après un des ateliers faits, celui-là c'était à Liège, en Belgique, où la personne à la fin a voulu dire on a un problème. C'est que, et sur celui-là je ne peux pas agir, je ne peux pas le démonter avec mes mains, et je ne peux pas en discuter avec les personnes autour de moi. C'est qu'on peut bien faire de la biologie libre, du logiciel libre, du biopunk, du médicament libre, des hormones libres. On peut bien démonter ce qui est propriétaire et le refourguer sous le manteau de manière libre, et on s'en fout des plaintes, et voilà. Mais aujourd'hui, il y a 416 ppm de CO2 dans l'atmosphère, et ça ne va pas redescendre du jour au lendemain. Et du coup, elle a remonté son test Covid, plutôt que de dire je suis négative au test, parce qu'elle était négative au test antigénique Covid. Après avoir appris à les démonter et remonter, elle a dit malheureusement, je suis positive à l'entreprise du capital OCEM. Donc je préférais qu'il y ait beaucoup plus de biopunk et de biohackers et de biohackeuses qui travaillent sur ces questions-là de réchauffement climatique, d'enquête environnementale et qui se sentent justement libres et pas avec une épée de Damoclès sur un résultat concluant pour investiguer la qualité de l'eau, la perte de la biodiversité, les changements sur nos corps humains, l'évolution de la concentration des pollens sur nos réactions allergènes. Bref, faites-le par vous-même, mais c'est facile de dire ça. Et je finis par une citation d'un biohacker du continent africain qui posait ça déjà dès 2017. Ça paraît loin, mais pas loin, mais est-ce que le biohacking, en gros, est devenu un effet de mode? Est-ce que sa modernité est start-upisable ou est-ce qu'il y a encore un peu de punk et de subversion et de travail à remettre dans les communs via le biohacking, mais plus largement via la biologie? Ce serait dommage que même les compétences et le système même d'études des mécanismes du vivant soient eux-mêmes privatisés et privatisables.